Et salut à tous, bienvenue sur le Trikaya Live. Yeka, Yeka, il est là, il est toujours là ce Yeka, il bosse pas celui-là, c'est pas possible. J'espère que ça va bien, moi ça va très bien, avec ce temps magnifique et tout ce qui va avec, c'est parfait, ça sent bien le printemps, même si là, quand même, il va neiger un petit peu, mais c'est pas grave. On a Panon is back, on a RDDZ, Renard du Désert, qui est avec nous. On a qui sur YouTube, on a Manu, on a Stéphane, et Écribouille qui est là, évidemment. Il neige à Reims, oh ben nom de Dieu. On a Loïc qui est là, on a IDs, SAS, ou IDs, ouais, IDs, ouais, ça doit être IDs. Nicolas Gross, Samy, salut à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que le confinement, nouveau confinement, se passe bien. On va discuter aujourd'hui d'un sujet très intéressant avec une jante féminine, s'il vous plaît, dans le SEO. Hein, c'est suffisamment rare pour pouvoir se permettre de le dire. Et donc, on va accueillir aujourd'hui Oriane René Pérez, qui est dans les coulisses en train de se préparer tranquillement. Qui va nous parler content spinning. Je vous avais promis cette conf depuis un moment et on va discuter content spinning. Il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de on-dit aussi. Et j'aimerais crever un petit peu certains abcès qui me dérangent par rapport au content spinning. Content spinning, c'est quelque chose qui peut être white hat, hein, clairement. Sinon vous risquez de tuer des rédacteurs. Ah, mais on a Sylvain qui est parmi nous, Chaos Steel aussi, et It's Me Fushy. Je pense que ça se dit comme ça. Eh bien, salut à tous. La semaine dernière, on a parlé WordPress avec Capitaine WP. On a parlé Elementor, Divi, Gutenberg, ACF, etc. Je vous renvoie vers ce live qui était fameux, qui était très dense, que j'ai été un petit peu obligé de d'écourter à la fin, mais bon, ça va, on a déjà tenu plus de 2 heures, c'était déjà pas mal. Voilà, donc je vous renvoie vers ce live qui était très intéressant. Dans l'idée, moi, ce que je trouve encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a des gens de la communauté WordPress qui acceptent sans aucun problème de venir discuter avec les gens de la communauté SEO. Hein, vous connaissez, je déteste ces histoires de communauté. On bosse tous pour le même projet, pour les mêmes projets. On bosse tous pour les mêmes clients. Et on fait tous avancer le web. Donc clairement, pour moi, si une personne de WordPress ne s'intéresse pas au SEO et inversement, c'est ça qui est un problème, quoi. Hein. Il faut absolument tous qu'on se sensibilise les uns les autres sur nos différents métiers, histoire de gérer les projets de manière la plus correcte possible. Word, quoi ? Word ? WordPress ? Ah, mais non, mais t'es pas bon en troll, Sylvain, tu le sais, ça. Au niveau des news, save the date, toujours, je vais vous le rappeler, je les enlèverai la prochaine fois, mais je les rappellerai quand même régulièrement. Donc 18 septembre, si rien ne change au niveau des dates, si tout change au niveau du sanitaire, on pourra compter sur le 18 septembre pour le SEO Dawade à Toulouse et les 23 et 24 septembre au SEO Campus à Paris. Sylvain, je ne sais pas où est Xavier, pas encore là, mais on va vite le savoir, tu sais, il arrive toujours en faisant un petit troll. Qui change de sanitaire ? Oh, putain. Ah, t'es en forme, Yeka ? Nouvelle session pour Caseo, Céseo. C'est cela, oui. Caseo, Céseo, je vous laisse aller voir directement sur le site du SEO Camp qui d'ailleurs je crois a changé d'après ce que j'ai vu, ou alors c'est vraiment que je suis à la bourre, méga à la bourre, je ne sais point. Et on a Sandrine qui nous a rejoint et qui égorge des poulets tous les jours pour qu'on puisse le faire. Et ben écoute, continue et bon appétit. Centre Europe, ça fait 2 mois je pense. Bonjour à toi, Centre Europe. Par contre, c'est bien là, c'est revenu à la normale les couleurs de pseudo dans le chat. Je comprends pas ce qui s'était passé la dernière fois, ça apparaissait bleu, c'était chelou.
RGPD, encore des nouveautés, CNIL, RGPD, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous ai fait un petit clin d'œil. J'aimerais vraiment mettre ça sur les sites, parce que j'en ai ras le cul de ce bordel. Permettez-moi de dire des grossièretés, mais voilà quoi. Là j'ai fait un joli petit hack du texte sur le site du gouvernement, mais je suis sûr que ça passerait. Tout le monde dirait j'accepte, parce que de toute façon, en gros, tu dois cliquer sur un bouton pour pouvoir voir le site. Donc en gros, t'en as rien à faire. Hein. À propos des cookies de mamie sur gouvernement.fr, hein, bienvenue. Ce site utilise des cookies pour mesurer la taille de votre sexe et pour s'assurer que vous êtes d'accord pour vendre votre mère, votre chien ou votre hamster. De toute façon, personne n'en a rien à battre de ces données personnelles. Vous vous engagez donc à bien vouloir télécharger l'application de ransomware en prenant soin de bien cliquer sur ce magnifique bouton tout accepté. Voilà, avec la page des données personnelles et des cookies. Et j'accepte. Parce que franchement, je n'ai jamais lu ces trucs-là, je ne les lis plus. Il y a même des fois, j'accepte des géolocalisations sans faire exprès. J'accepte tout. Et en fait, on fait une action quand on fait ça. Et faire une action, ça peut très bien être de télécharger une saloperie sur son ordinateur. Ça peut être plein de trucs, plus HTTPS, ben évidemment, hein, les saloperies passent en HTTPS, donc quand c'est crypté, les firewalls, c'est quand ça arrive sur la machine que on peut se dire, ouais, ok, il y a un virus, attention, Ah. alerte. Hein. Donc voilà, je voulais pousser un coup de gueule parce que ça me saoule cette histoire. En plus. On se retrouve derrière avec le site qui te demande si tu veux t'abonner à la newsletter, si tu veux avoir des notifications, si tu veux être géolocalisé, et tu t'en sors plus, tu cliques partout, quoi. Enfin. C'est pour ça qu'on passe le week-end de Pâques à dépanner la famille. Salut Audrey. On a Cyril qui est arrivé sur YouTube, on a Tanguy, on a Julien Jiménez, on a Nicolas, on a Dan, salut à toi Dan, salut à vous tous et de nouveau bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Stream exceptionnel le mercredi 14 avril, on va se faire une table ronde à propos de ce qui s'est passé chez OVH. Je trouve que le sujet est extrêmement important et que ça mérite le détour. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. Sébastien, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Et ouais, Yeka. Ah ouais, c'est Bestel, il a tout pété. Bestel, il va payer cher. Donc voilà, on va faire une table ronde avec trois personnes, avec David Chély, avec Stéphane Jambu et avec Karim. Donc trois profils totalement différents. Mais qui sont évidemment très impactés, enfin très concernés par tout ce qui est web et évidemment par OVH. Renard du désert nous propose ninjacookie.com/fr, ça fait quoi ça? C'est une extension de navigateur qui vous débarrasse automatiquement des bandeaux cookies en refusant l'utilisation. Non, mais moi je veux pas refuser, moi. Je veux être traqué. Je bosse dans le web. Moi je veux me faire traquer. J'ai besoin que les gens se fassent traquer, alors je vais pas montrer le mauvais exemple. Donc non, moi je dis faites-vous traquer et prenez des pubs qui marchent mieux pour vous. Donc vous avez toujours la possibilité d'interagir avec le chat Twitch, je précise bien Twitch, si vous ne tapez pas ça dans YouTube, ça marche pas. Point d'exclamation coaching si vous voulez connaître les coordonnées à contacter pour du coaching. Point d'exclamation Discord, le command, je l'ai annulé. Point d'exclamation DERF, point d'exclamation Facebook ou FB, point d'exclamation Twitter, point d'exclamation YouTube ou YT. Si vous voulez obtenir les liens vers la chaîne. Mais bon, en gros, si vous êtes ici, c'est que vous n'en avez pas besoin. Hein. Vous pouvez taper les commandes dans YouTube pour faire des commentaires. C'est bon pour l'engagement de la vidéo. Oui, écrit-vous. C'est à côté. C'est là-bas. Vous avez la Ah, c'est pas possibilité, faux. voilà, d'interagir directement avec le chat Twitch. Et de manière sonore sur le live. Donc, vous pouvez déclencher différents samples que j'ai programmés. J'en rajouterai quelques-uns et je pense que j'en enlèverai un, en l'occurrence les vieux cons, parce qu'il est vraiment trop long et donc ça perturbe. Les vieux cons, les vieux cons, les vieux cons, les vieux cons, les vieux cons.
Voilà, ça perturbe. Mais enfin, en fait, si je commence déjà par blacklister les vieux cons pour Yeka, je pense que ça nous posera plus de problèmes. Ah. Vous pouvez vous inscrire sur le Discord de la chaîne pour prolonger le plaisir de cette chaîne tout au long de la semaine. Trikaya.fr/Discord. C'est gratuit, hein, on est plein. Ça mange pas de pain. Vous craignez rien, vous inquiétez pas. Oh, on a Didier qui est arrivé. Salut mon Didier. Comment tu vas bien? De là à dire que Yeka est un vieux con, il y a juste un doigt. Si vous voulez rester informé, inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur YouTube en live évidemment, mais aussi si vous êtes sur YouTube en replay, étant donné qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent le replay. Hein. Je ne vous en veux pas, chers amis qui regardez le replay. On n'a pas tous les jours le temps, enfin on n'a pas tous les mardis après-midi le temps. Vous pouvez aussi cliquer sur « J'aime » sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, combien on en a sur Facebook? Ça m'intéresse toujours. Ah, on en a un. Ah, oh, putain, on a... Salut! Salut Facebook! Qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelqu'un qui chatte sur Facebook? Bon, bah écoute, hein, si tu nous regardes, on t'aime. Ça se trouve, c'est moi, en fait, je sais pas. Vous pouvez aussi, évidemment, partager à votre communauté si vous avez un Facebook pro. Et puis, si vous êtes sur Twitch, vous pouvez follow la chaîne, ce qui vous permettra d'avoir une petite notification, si Twitch est lancé, évidemment, quand la chaîne est live. Et je vais, sans plus attendre, accueillir Oriane, qui est là, qui attend, qui est impatiente. Eh bien, Oriane, on voit la moitié de ton visage. Attends, bouge pas. C'est la loose. Tu peux me partager ton écran, s'il te plaît? Bien sûr. Alors... On la refait. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. Ah, il est pété. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Ça a cassé quoi? Non, c'est Yeka qui lance le sample. C'est Bestel, il a tout pété. Voilà, tu es là. Bonjour tout le monde. Salut Fred. Salut Oriane. Ah, merci de m'avoir invité. Bah, de rien, ben, bienvenue. Merci. Je suis un peu intimidée, c'est la première fois que je passe à la télé, donc... Ah, plus cher, tu prends l'accent comme ça. C'est pas ni de ma peau. Oui, voilà, on se détend comme on peut. Hein. Bon, comment tu vas? Bah, super, hein, confiné comme tout le monde, mais on en a marre un peu, on a hâte que ça s'arrête, comme tout le monde aussi. Ouais. Et à part ça, écoute, ça va, la tête sous l'eau avec le travail, hein, mais c'est une bonne chose, hein, ça veut dire que ça fonctionne. Bah, clairement. Pas de quoi se plaindre. Une stagiaire avec moi aujourd'hui, voilà, pour les news. Ah ben, bonjour la stagiaire. Ouais, voilà, elle est en entretien, là, justement, pour sa licence professionnelle, donc elle n'est pas à côté de moi. Mais voilà, elle commence aujourd'hui, donc elle va m'aider sur les projets uniquement rédaction web, parce qu'elle est en communication, elle étudie la communication en IUT, donc voilà. Ok, ben bravo. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois, oui. Oui, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est une personne que je connais bien. Donc, et puis, bon, c'est vrai que je suis encore en auto-entreprise, donc ce n'est pas quelque chose de très courant, mais finalement, on a le droit aussi de le faire. Et puis, c'est bien, puis ça permet de transmettre un peu des compétences et puis de filer un coup de main, surtout en ce moment où, justement, les jeunes ont du mal à trouver des stages. Donc, je fais appel un petit peu à tout le monde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en école de communication et dans d'autres secteurs aussi, ou dans le web en général, qui ont du mal à trouver des stages en ce moment. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, parce qu'en auto-entreprise, on a aussi le droit de le faire et aussi en distanciel. Donc c'est un bon... Par contre, c'est compliqué. J'ai un stagiaire en ce moment, en distanciel, c'est très compliqué. Parce que, en plus, on a beaucoup de boulot, tu viens de le dire. Et il y a des fois, en distanciel, tu l'oublies. 3-4 jours. Donc, tu vois un chat qui fait « Bonjour, oh merde !» Désolé, j'ai un rendez-vous. Donc, c'est d'autant plus compliqué en distanciel. C'est déjà pas simple en réel. Donc, en distanciel, je me confronte à ça. C'est pas évident. Bref. On va faire une petite présentation. Toi, tu étais à Lyon dans tes débuts, si je ne m'abuse? Non, j'étais déjà à Toulouse quand j'ai démarré. T'es peut-être switché à Lyon après? Voilà, j'ai fait un petit détour par Lyon, pas très long, et puis je suis revenue après à Toulouse depuis un moment maintenant. Et j'ai vécu pas très longtemps à Lyon, peut-être 6-7 mois ou quelque chose comme ça. Je t'ai connu quand t'étais là-bas, moi.
Oui, exact. Je t'ai connu quand donc toi, t'as bossé chez Julien? Oui, alors j'ai commencé d'abord la rédaction en freelance il y a 11 ans maintenant. Donc ça commence à faire un petit moment. Et effectivement, j'ai eu Julien dans mes premiers clients Ouais. en rédac, donc en 2000, en 2010. Donc quand on parle de Julien Jiménez Corleone Biz, hein, si jamais, qui est dans le chat. Mais ouais, c'est bien lui. Donc c'est comme ça que j'ai connu Julien, effectivement. Donc on a travaillé comme ça. Moi, j'étais déjà en auto-entreprise à l'époque. On a démarré comme ça à ce moment-là. Lui démarrait aussi. Donc et ça a été en fait un peu mon client historique, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours. Enfin, on collabore encore de temps en temps aujourd'hui, quoi, moins souvent qu'avant. Mais voilà. Et puis effectivement, j'ai fait un passage de 2 ans en tant que salarié chez Corleone Biz aussi. Et puis ensuite, je me suis remise à mon compte à nouveau quand j'ai démarré le streaming à plein temps, justement. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Et Alors, d'après Julien, tu étais une machine de guerre. voilà. Ben, c'est peut-être ça qui m'a poussée vers le spinning finalement, parce que un peu, on peut dire que je pense que mon fond de commerce, c'était le volume en fait. On a tous, chacun a ses talents. Moi, c'était de faire du volume, mon talent. Et effectivement, en faisant du volume, je me suis retrouvée beaucoup à faire des textes très similaires pour des choses plutôt simples et plutôt similaires. Parfois des milliers de textes. On a eu quelques contrats comme ça, notamment dans le prêt-à-porter, où il fallait faire le t-shirt vert, le t-shirt rouge, le t-shirt manche longue violet, le t-shirt manche longue, etc., etc. Le truc à se pendre, quoi. Voilà, ben c'est bon. Ben je savais faire, hein, donc j'ai fait, si tu veux. Mais quand j'ai commencé à découvrir le spinning, je me suis dit que c'était génial parce que ça permettait d'éviter de filer au rédacteur ce genre de travail, enfin, de travaux un Long, peu répétitifs. chiant et fastidieux, tu peux le dire. Exactement. Non, mais c'est quand tu bosses sur une même thématique pendant X jours, il y a un moment où je comprends que ça doit pas être facile de se lever, quoi. Non, et puis c'est pas rigolo, et puis finalement c'est pas efficace non plus parce qu'on se retrouve rapidement à écrire les mêmes choses, hein. Quand on est rédacteur, on a des tics un peu d'écriture, hein, comme des tics de langage finalement, et on se duplique soi-même parce que on tourne en rond avec les mêmes idées. Et on n'a aucun moyen de mesurer ça quand on fait de la rédaction, quoi. Au final, on livre des textes, on ne sait pas vraiment à quel point on a écrit quelque chose de similaire au 102e texte. Quand tu es au 423e, tu ne sais pas exactement ce que tu as fait avant, quoi, tu vois. Donc, tu n'as aucun moyen de vraiment savoir si tu t'es dupliqué toi-même ou pas, si c'est suffisant ou pas. Puis finalement. Ben voilà, après j'ai mis le nez un peu dans le spin. Ben c'est Julien qui m'a fait travailler sur des mini spins, donc Julien Jimenez, encore une fois. C'est à l'époque où j'étais salariée, il me semble, et on avait travaillé sur des mini spins pour des web profiles, des trucs, voilà, hein, le classique. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette méthode-là. Et puis après, j'ai fait une formation avec un ancien du spin. Qui s'appelle Karim, mais qui aujourd'hui ne fait plus de spin, je crois. Non, il a disparu des radars, Karim. Il a disparu des radars, effectivement, mais ça a été le premier vraiment à me donner une formation. Et c'était Julien qui m'avait offert cette formation, donc merci Julien. C'est à l'époque où j'étais justement encore salariée chez lui. Il nous avait proposé à tous de faire une formation du thème qu'on voulait. Et voilà, moi j'avais choisi le spinning. Et c'est comme ça vraiment que j'ai un peu approfondi les méthodes et qu'il m'a parlé un petit peu des siennes aussi. Il m'a parlé un peu des logiciels et puis de ce qu'il fallait faire ou pas. Puis bon, après j'ai regardé des tutoriels en anglais sur Internet. Et puis après, tu vois, bon, ben voilà, hein, l'auto-formation, quoi. Mais j'ai eu l'envie là et l'opportunité aussi de le faire parce que à l'époque j'avais un contact qui m'avait permis de trouver une clientèle rapidement parce que lui il avait beaucoup de clientèle sur du spinning, donc il m'a passé quelques clients et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré à plein temps. Mais en fait ça a été rapide, quoi. Dès que j'ai commencé à proposer le service, j'ai rempli le planning très Ouais. rapidement. Il y avait vraiment une demande. Ah ouais, ça a été super rapide, quoi. Dès que j'ai commencé, j'ai fait ça à plein temps en fait, hein, Ok, et donc à l'heure actuelle, tu fais plus que du content spinning ou tu fais encore de la rédac? Très peu. De temps en temps, c'est des prestations complémentaires sur des commandes, tu vois, où on a une grosse partie, un gros volume en content spinning, et puis en complément des textes manuels, parce que je trouve que c'est deux méthodes
qui sont très complémentaires. Et puis, c'est intéressant de pousser certaines pages en écrivant un grand texte unique à la main et en le complétant par des textes spinés. Je pense que c'est une bonne chose. Des fois aussi, même sur la même page, on a un contenu spiné, un contenu écrit à la main. Ok. Là, voilà. Poser les méthodes et finalement ça donne des bons résultats. Et c'est voilà. Donc un petit peu de rédac encore, mais vraiment peut-être 5 à 10% de l'activité, quoi. Bon, de toute façon, le content spinning c'est une forme de rédac. Hein. Je pense que tu commences d'ailleurs par une rédac et puis que tu spines après. Oui, effectivement, oui, ça commence par. Ben, soit c'est moi qui rédige le texte souche. Soit c'est le client qui me le fait passer parce que parfois il est plus à l'aise avec le fait de me fournir son texte, parce que comme ça il y a un peu sa ligne éditoriale, sa patte, le bon ton, donc ça peut être rassurant pour les clients. Et puis bon, c'est vrai qu'au moins comme ça laisse pas de place à l'approximation, quoi. Ouais, bon, ouais, ok. C'est moi qui le fais, quoi. Ok. Donc, alors j'ose dire que Xavier te passe le bonjour de Stéphane, mais c'est le premier truc qu'il dit, donc si ça se trouve, c'est un troll. Hein. Xavier me passe le bonjour de la part de Stéphane. Ok, merci. Bonjour. Ok. Sinon, on a Sandrine qui déconne un peu, qui dit parce que sa meuf est à Toulouse, donc c'est pour ça que tu es à Toulouse, hein, c'est ça? Exactement, voilà, bah, il faut aller. Il faut aller là où le cœur se trouve. Hein. Là où se trouve l'amour. Bon, on est un peu inséparables, hein, toutes les deux. Donc, quoi, c'est un secret pour personne, je pense. Ah non, bah vous êtes drôle, d'ailleurs. Vous êtes très drôle. Bah, c'est ma grande sœur. Hein. C'est ta grande sœur. Ouais. Bon, on partage ton écran. Allez. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, là, tout de suite, non, mais de toute façon, je vais vous passer quelques petites slides et puis ce sera l'occasion de discuter aussi. Et, toi, tu voulais faire aussi une démo d'EffiSpin. Est-ce que tu veux la faire avant? Attends, on va déjà présenter ce que c'est. Hein. On va y aller tranquillou, étape par étape, t'inquiète. Allez, attends, je passe juste ton écran. Hop. Attends, voilà. Et donc, on voit ton écran et ta bouille. Ah ! Ok, super. Alors, attends, je vais juste me mettre en plein écran. Attends, on va faire comme ça. Hop ! Et voilà, est-ce que tout le monde voit la petite présentation ? C'est bon ? Tout le monde voit ta magnifique présentation, Violette. Super. Donc, l'idée, en fait, c'était... surtout de répondre aux questions que tout le monde se pose sur le spinning, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est pas une méthode qui date d'hier. Et d'ailleurs, je crois que la personne qui a importé le concept en France, c'est Black Melville, qui était le premier à en parler sur les forums, puis sur son site aussi à l'époque. Et puis bon, bah, du coup, ça fait bien une quinzaine d'années qu'on connaît ça et qu'on l'utilise. Et puis finalement, c'était devenu obsolète. Et puis finalement, c'est revenu un peu sur le devant de la scène. Et je pense que c'est bon, quand on travaille un peu dans le web, on a tous déjà mis un peu le nez dedans. C'est un peu tous plus ou moins comment ça marche, peut-être pas dans les détails. Donc l'idée c'était de répondre un peu à vos questions. Donc j'ai recueilli des questions sur Twitter sur les dernières semaines. Ouais, je suis pas sûr que tout le monde connaisse quand même. Hein. Bah, j'ai fait quand même un petit résumé rapide pour savoir pour vous rappeler un peu ce que c'est que le content spinning. Donc le content spinning, l'idée c'est de créer une matrice donc à la main pour générer des millions de textes ou des billets en tout cas plutôt de manière semi-automatique, puisqu'il y a quand même tout un travail manuel qui est effectué en amont et qui est nécessaire et en fait qui est basé essentiellement sur un travail de réécriture. Si on le résume, ce serait un peu ça. Et puis de mots synonymes qu'on met les uns à la suite des autres. Donc l'idée, en fait, d'utiliser cette technique, ce n'est pas pour remplacer le rédacteur, parce qu'on aura toujours besoin des rédacteurs et de beaux textes écrits à la main et parfaitement formulés. L'idée, c'est surtout de travailler sur des textes très répétitifs, comme on l'évoquait tout à l'heure, finalement, qui ont un fond similaire, qui veulent tous un peu dire la même chose.
mais finalement qui ont quand même quelques caractéristiques différentes, qui peuvent être des notions de géolocalisation, qui peuvent être des caractéristiques de produits, et puis plein d'autres choses, hein, tout ce qu'on voudra. Et l'idée, c'est d'éviter d'avoir du duplicate content, parce que finalement, il y a quand même pas mal de sites qui ont besoin de contenu en masse de ce type-là, et puis ils font du texte à trous avec des variables, ce qui est quand même pas génial et puis pas forcément pérenne. Hein. On ne dit pas que ça marche pas, parce qu'il y a des sites pour lesquels ça marche très bien, mais ça marche un temps, et finalement, on se fait rattraper après par des sites où il y a un contenu un petit peu plus poussé. Donc, le content spinning sert à ça. Donc, dans la technique, en fait, de création, je vous ai mis une phrase vraiment toute simple pour vous faire comprendre le principe. Si tu dis « Bonjour, je m'appelle Oriane », pour décliner cette phrase, en fait, et puis pour la spinner, là, je vais spinner, bien sûr, que des termes. On peut remplacer bonjour par salut, par hello, par coucou, par n'importe quel mot qui sert à saluer. Et puis, pour se présenter, on peut dire je m'appelle, je me prénomme, mon nom est. Et puis, on peut aller encore plus loin, bien sûr. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, tout ça va passer dans un logiciel. Et ce logiciel-là va nous créer des phrases en cherchant à chaque fois un seul morceau entre nos deux accolades. Donc, on a des termes ou des groupes de mots ou des phrases ou des paragraphes qui se situent donc entre accolades. Et le logiciel va aller chercher ce qui se trouve entre les accolades et à chaque fois tirer un seul élément de chaque accolade pour créer une phrase. Et donc le résultat, ça c'est un petit exemple simple. Et puis si on va un peu plus loin, on a plutôt des phrases qui ressemblent à ça. Donc l'idée, ça va être d'aller le plus loin possible dans l'association de ces synonymes et de ces groupes de mots similaires, sans pour autant dénaturer, en tout cas au maximum, la langue, la grammaire et la syntaxe française. Donc là, là, on a un exemple qui est quand même beaucoup plus poussé et qui vous permet de voir à quoi ressemble vraiment une phrase spinée quand elle est dans un master spin un peu complexe, polymorphe, hein, comme on dit. Les résultats qu'on va avoir, ça va être ça. Pour gérer vos urgences, notre service est joignable, quelle que soit l'heure ou le jour. Ça, c'était pour, spécifiquement, c'était un spin pour du service. C'était des plombiers, et ils proposaient des interventions H24, un petit peu comme les serruriers, les plombiers, etc. C'est un service d'artisan. Donc, j'ai sorti cette phrase de ce spin-là. Et donc, on a, comme vous le constatez, hein, s'agissant de travaux qui nécessitent d'être réglés urgemment, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vous avez la certitude de profiter d'une intervention dans les meilleurs délais. Ou alors, on aura pour vous dépanner en urgence, notre service est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou alors, notre service vous dépanne, peu importe le jour ou l'heure, etc., etc. Parce qu'il y a plein d'autres déclinaisons. Et donc, ça, c'est issu du même master, quoi. Voilà. De cette phrase-là, en fait, on a pu tirer tous ces éléments-là. Donc, on a pu construire une phrase qui reste cohérente, qui est lisible aussi bien par un moteur que par un internaute, et qui est clean, et surtout qu'il n'y a pas de duplicate, quoi. Qui est une phrase unique à chaque fois. Ah ouais, on voit bien, c'est complètement différent. Voilà, on voit que c'est bien différent. Et encore, on a un paragraphe. Bon, quand on voit ce paragraphe-là, des fois, on va encore bien plus loin que ça pour une seule phrase. Donc, on peut pousser le concept encore un petit peu plus loin et spinner encore plus et puis obtenir des résultats qui sont encore les plus éloignés les uns des autres, quoi. Mais c'est l'idée, quoi, en fait. Hein, l'idée, c'est... en tout cas, il y a content spinning et content spinning. Hein. Après, c'est vrai que il y a une notion, il y a eu plein de choses qui se sont véhiculées sur un manque de qualité. C'est vrai que quand on spin en automatique avec des synonymes, avec des dictionnaires préfabriqués, souvent on obtient des choses qui sont un peu limites, qui peuvent passer pour les moteurs, mais qui ne sont pas forcément très lisibles pour les internautes. Tout dépend des outils qu'on utilise aussi. Mais on peut aussi pousser le concept plus loin et faire en sorte que ce soit presque imperceptible, quoi, au final. Ouais, ouais. Donc, c'est l'idée, quoi. Que ce soit complètement différent, d'ailleurs, hein, parce que là, on n'est même pas dans de la variation de synonymes ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des structures de phrases différentes, des longueurs de phrases différentes. Et puis, tu vois, 24 heures sur 24, on le voit qu'une fois. C'est des phrases qui sont complètement différentes. Voilà. Et bien évidemment, quand on va générer des milliers de tirages à partir de ce master spin-là
Et donc, de cette phrase-là, on va retrouver le 24 heures sur 24, le 7 jours sur 7, ou des éléments, mais tout. Mais ça va être tellement mélangé avec le reste du texte que finalement, l'ensemble va être unique, quoi. Et c'est l'important, c'est d'avoir un ensemble qui soit unique, même si on aura des petits footprints, on va retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou peu importe le jour ou l'heure, ça, on va le retrouver dans d'autres morceaux de phrases au fil des tirages, en fait. Mais une fois que ce sera noyé dans la masse et dans tout le reste du texte, ben, finalement, ça va nous permettre d'avoir un ensemble qui est vraiment unique et qui est tout à fait considérable par un moteur ou par un internaute, hein, ça, sans souci, quoi. Mais de toute façon, tu aurais demandé à 10 humains de faire le même travail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tu l'aurais aussi retrouvé partout. Exactement. Et là, bah, effectivement, quand on procède avec cette méthode-là, on peut mesurer la similarité entre les textes. Donc, on peut avoir la certitude que ce qu'on publie sur notre site est vraiment unique. Alors que quand on fait faire le travail par des rédacteurs, on ne va pas forcément avoir le réflexe d'envoyer ça à Kalispin pour qu'il nous dise si les textes sont suffisamment éloignés les uns des autres, quoi. Je pense qu'on aura même probablement, si on fait bosser qu'un seul rédacteur surtout, je pense qu'on aura plus de duplicate avec un seul rédacteur qui fait des textes très similaires comme ça qu'avec du content spinning, donc aucun souci, quoi. Ah, on va dire bonjour à Yann quand même qui a osé faire du spinning dans le chat. Ouais, salut. Ouais, je vois pas le chat comme je suis pas sur Twitch en même temps. Ah, c'est sur le chat YouTube. Ah, ouais, peu importe, t'inquiète. Il fallait bien qu'il y en ait un qui fasse le truc, hein, sinon c'était pas marrant. Ouais, ouais, c'est bien. Voilà pour un petit rappel de ce que c'est que le content spinning et comment ça marche. Après, ça c'est juste, pour l'instant on est dans l'illustration, on n'est pas vraiment dans la méthode. Mais on va en reparler un petit peu plus tard, parce que je vais vous faire une démo d'un outil que j'utilise au quotidien. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et en quoi c'est intéressant, et ce que ça peut nous apporter. Et pour l'instant, ben là, on va passer aux questions-réponses, hein, directement, puisque c'était l'objet de la présentation, finalement, et j'ai recueilli un peu vos propos sur Twitter, savoir quelles interrogations vous avez sur cette méthode et quelles étaient les questions les plus fréquentes. En premier, on m'a demandé quels sont les outils que j'utilise. Alors, en matière d'outils, pour être tout à fait transparente, et là, ça n'engage que moi, bien sûr, moi, ce que j'utilise, c'est Xpin, parce que c'est un outil qui permet de faire travailler le spin dans le côté structurel, quoi, en fait. Hein. Il sert surtout à construire le spin, et il ne sert pas à spinner les mots. Hein. Ça, c'est un travail que je fais, moi, manuellement, parce que ça me convient mieux. En termes d'outils, donc il y a Kalispin qui n'est pas un outil, mais qui est un service en ligne qui permet de qualifier les master spins en termes de similarité. Donc, à savoir que Kalispin et Xpin ont été créés par la même personne qui est Sylvain Doré, qui est un développeur et qui a créé ces services-là déjà il y a quelques années. On est très nombreux à utiliser Xpin parce que c'est un super logiciel. Et Kalispin, c'est le seul en fait sur le marché à proposer quelque chose de vraiment poussé pour la qualification des spins. Donc, on est très nombreux aussi à le solliciter pour ça, quoi. Après, donc, juste pour une petite parenthèse, c'est aussi l'éditeur de cocon.se. Hein. Ne confondez pas, j'entends très souvent dire que cocon.se, c'est Christian Méline. Non, les métamots sont venus se greffer dans cocon.se, mais cocon.se à l'origine c'est un outil qui permet de faire des graphes de sites et c'est Sylvain Doré qui a mis en place le service. En effet, ouais. Quelqu'un qu'on voit plus assez. Il est très discret, il a toujours été hyper discret et puis là encore davantage, hein, on le voit un petit peu moins encore. Bon, ouais. Il est toujours là, hein. Moi je travaille au quotidien avec lui et c'est quelqu'un qui a vraiment une vision. Bien à lui de tout ça, il a presque une vision artistique des choses, on le voit avec cocon.se hein, en fait, hein. Il a une intelligence qui est à la fois technique et artistique aussi. Et du coup, ça donne, il a vraiment une vision au niveau graphique en fait, même dans ses réalisations. Et je trouve c'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Et on le voit aussi dans Xpin, hein, d'ailleurs, on le regardera tout à l'heure, mais c'est un outil qui est hyper simple à utiliser, qui est hyper ergonomique et je crois que pour la petite histoire il l'a développé en un week-end, quoi.
Donc bon, ça force le respect. Ouais, non, mais c'est un fou, Sylvain, c'est un fou. Ouais. On a Loïc qui nous demandait, question, est-ce que si j'écris un spin avec un résultat comme « j'ai une machine à laver » et « je possède un lave-linge », Google voit ou comprend la même chose. Cela peut-il être compris comme du duplicat ? Non. Non, c'est pas du duplicate. Le duplicate, c'est vraiment le copier-coller. Hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, parce que je suis pas référenceur, donc il y a peut-être des subtilités qui m'échappent. Mais le duplicate, c'est quand on copie-colle un morceau de phrase ou un texte d'une page à l'autre. Quoi. Mm-hmm. À partir du moment où on fait varier les termes, bah, c'est le principe même du spin, hein, de toute façon. Donc aucun souci. Quoi. Non, c'est compris de la même manière. Mais c'est pas considéré comme du duplicate, bien sûr. Non, parce que tu as dit machine à laver et lave-linge. C'est bien deux termes différents. Par contre, si il faut tout ce qui est synonymie sur des termes creux, c'est totalement inutile, hein, parce que les termes, les stop words, donc les termes qui n'ajoutent pas de sens à la phrase, sont la plupart du temps filtrés par le moteur de recherche. Donc forcément, s'il te reste plus que ça et que c'est que ça que t'as spiné, ben ça pose un problème. Ouais, il faut aller chercher. Et puis bon, si c'est après, c'est pas grave d'avoir le même terme. C'est normal d'utiliser lave-linge ou machine à laver. On n'a pas 36 manières de dire la même chose non plus. Mais après, si on crée deux phrases qui, au niveau structurel, sont complètement différentes et qui sont où les termes se trouvent pas au même endroit, etc., ça fonctionne très bien, quoi. Même sans avoir 250 synonymes de la même chose, au final. Hein. D'ailleurs, j'ai des clients qui me font mettre des expressions et des termes systématiquement dans tous les tirages, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Et puis au niveau sémantique, on a besoin aussi d'avoir certaines expressions pour ranker et qu'elles soient présentes exactement. Donc, ouais. C'est un problème, quoi. C'est vraiment un tout, en fait. Hein. Il faut le prendre dans une globalité, pas isoler un terme ou deux termes, en fait. Tout à fait. Alors, j'ajouterais quand même deux outils. Un qui tourne sous Windows qui est EffiSpin. Et d'ailleurs Cédric est dans le chat, Cédric Girard qui est dans le chat YouTube, qui est l'éditeur de EffiSpin. Et vous avez aussi Human Easy Spinner, je crois, qui avait été fait par Christian Méline, si je ne m'abuse. Clairement le plus puissant, hein, c'est XSpin, hein, il n'y a pas photo. Ouais, mais c'est pas la même utilisation non plus, hein. Non. C'est pas... Après, il y a Chimp Rewriter aussi qui est pas mal. Comment tu dis? Chimp Rewriter, je sais pas si tu le connais. Ah lui. Non, pas du tout. Je te ferai passer un lien pour que tu le testes. Moi, je l'utilise pas parce qu'il est un peu long à configurer. Puis en plus, il tourne sous Windows, donc ça m'arrange pas parce que moi, je suis sous Mac. Donc voilà. Mais tu peux importer un dictionnaire et tu peux... tu peux faire pas mal de choses avec et il est, je pense que c'est vraiment un bon logiciel, quoi. J'utilise pas parce que j'ai pas pris l'habitude aussi et puis bon, j'ai pas démarré comme ça, mais c'est un bon logiciel. Je ferai passer le lien de Chimp Rewriter. Il est pas très connu ici, mais en fait c'est un chouette logiciel aussi, je pense que bah, ça y est, il y a Audrey qui a fait le taf. Super, merci. Attends, je vais le passer du chat Twitch au chat YouTube. Hop. Voilà, donc ça c'est Audrey qui nous a partagé ça. Ok, et puis bah sinon, hein, si vous êtes développeur, vous pouvez très facilement le faire à la main. Hein, enfin, en mode dev, hein, ça se fait. Mais bon, pour obtenir un XSpin quand même. Hein. Ouais, il faut avoir la vision, hein, surtout. C'est ça, ouais, qui est. Ouais. C'est le concept déjà. Je pense que peut-être que si t'es un bon développeur, tu peux gérer le truc sans souci. Mais il faut avoir quand même la vision du truc au départ, quoi. C'est ça qui m'impressionne surtout, en fait. Plus que la réalisation en elle-même, je pense qu'une fois que tu as le concept, après, ça se fait. Mais il faut y penser, quoi. Il faut avoir cette vision, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Il faut avoir ce niveau d'abstraction. Exactement, ouais, c'est ça. C'est très complexe, ouais, ouais. Effectivement. Ok, ouais. Donc tu nous mets un lien vers un dictionnaire de synonymes, c'est ça? Oui, voilà, donc ça c'est le dictionnaire de synonymes que j'utilise moi pour le content spinning. Donc voilà, après c'est manuel, hein, encore une fois, je vais sur le site, je prends mes synonymes, je regarde, je mets celui-là, je sais pas, celui-là peut-être, tu vois, c'est un... J'essaie de faire encore un travail vraiment artisanal le plus possible pour vraiment
attaquer un haut niveau de qualité au max, quoi, parce que quand tu bosses avec des gros clients et qu'on publie des spuns sur le Monnaie Site, on va pas s'amuser à avoir des trucs approximatifs, quoi, tu vois. Il faut vraiment que ce soit propre et que ce soit lisible. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas forcément des choses qui spinnent automatiquement. Je sais que ça marche bien. Il y a des utilisations pour ça et des utilisateurs aussi pour ça. Mais encore une fois, c'est des choses qui n'engagent que moi, quoi. C'est par rapport à ma typologie de client, ce n'est pas des logiciels que je peux utiliser pour l'instant. Parce qu'après, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver sur le marché, qui vont être encore plus pointus et qui vont permettre du spin auto plus poussé, tu vois. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelque chose qui matchait avec mon boulot, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, quand tu commences à utiliser les dictionnaires de synonymes en auto, c'est justement, tu tombes vite dans le duplicate content ou le pseudo duplicate content, là, pour le coup. Ouais. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec les logiciels automatiques, notamment, tu peux rarement modifier un groupe de mots en entier. Par exemple, tu vois, souvent, c'est des petits bouts de phrases, mais tu ne peux ouais, pas un groupe de mots, tu peux pas spinner une phrase entière non plus, tu vois, enfin, dupliquer une phrase et la réécrire, ça, tu ne peux pas le faire non plus. Pareil pour un paragraphe, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses qu'on peut pas faire et moi j'ai besoin de faire ça et du coup je m'y retrouve pas, quoi. J'ai fait des tests, hein, même encore récemment, je me suis remis sur des logiciels comme ça un peu auto et j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convenait et qui était vraiment pertinent pour moi, quoi. J'ajouterais même, pour moi, la base d'un bon spin, c'est justement de spinner des paragraphes, des textes entiers. C'est obligatoire, quoi. Ben, en fait, finalement, si tu veux, c'est ouais, ça dépend. Ce qui est bien, en fait, aussi, c'est de faire apparaître, disparaître des choses. C'est de partir. Toi, par exemple, tu crées 7 paragraphes et ça, on peut le faire avec Xpin. Tu lui demandes de t'en garder que 3, quoi, tu vois, à chaque fois. Ou alors, tu pousses le truc un peu plus loin, tu fais. Un module Xpin où il en sort que 3 paragraphes sur tes 7. Un module, il en fait 4. Un module, il en fait 5. Un module, il en fait 6. Un module, il garde les 7. Et jamais dans le même ordre, tu vois. Et quand tu as ça, tu as des textes qui varient énormément en longueur. Et ça, c'est vraiment bien pour la similarité. Et puis, ça change tout structurellement. Ça change tout. C'est, enfin, voilà, quoi. Ça marche super bien. Ça, c'est des bonnes techniques, quoi. Complètement. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Je m'avance un peu pour l'instant. Alors, ben, on va passer à la question suivante. Alors, c'est quoi, attends. Je t'embête. Tu mets pas d'automatisation dans l'écriture, on en a pas vraiment. Ah non, c'était l'automatisation du remplacement, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ah c'est oui, ça. D'accord, ok. Alors, on peut peut-être faire la digression maintenant par rapport au tweet qui a été fait tout à l'heure avec GPT-3. Ok. GPT-3, c'est un outil qui est censé générer des textes de manière automatique. En se basant sur un corpus de documents et en générant des phrases qui ont une grammaire correcte. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec du content spinning GPT-3. Hein ? Et clairement, pour l'instant, alors GPT-3, tout le monde se paluche avec, parce que personne n'a rien vu sauf les superbes sorties qu'ils ont montrées. Mais de ce que j'en ai entendu, c'est absolument pas abouti du tout. Hein. Donc, il faut absolument qu'il y ait un humain qui repasse derrière. Hein. Donc, voilà, je ferme cette parenthèse, si c'est à moi que tu veux y rajouter quelque chose. Mais... Non, je ne suis pas du tout experte sur ce genre d'outils. Donc, je crois que ce n'est pas la même utilisation non plus, d'ailleurs. Non. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser GPT-3 pour faire des fiches produits, par exemple, ou pour faire, tu vois. Il faut tellement contextualiser qu'on ne peut pas se baser sur des choses déjà existantes, en fait. Je pense que c'est bien pour des articles, c'est bien pour des communiqués de presse, c'est bien pour ce genre de choses, tu vois, mais je ne crois pas que ce soit la même utilisation au final. Alors, encore une fois, je ne suis pas experte, donc, tu vois, je m'en remets à ceux qui connaissent le domaine mieux que moi, mais... Non, mais il faudra qu'on s'inquiète, hein, le jour où ce sera OK, hein. C'est que l'humain sera remplaçable, hein. Ouais, mais je pense que c'est pas encore pour demain. Il y a moi, pas je mal pense de... que c'est pas pour demain aussi. Et tu vois, on a Cédric, d'ailleurs, de FiSpin, qui nous met le spin auto. Je n'y ai jamais cru. Même avec du machine learning en langue française, ça me semble vraiment compliqué. Ouais, je pense aussi. Après, faut voir, hein, c'est un peu l'Eldorado, hein, quand tu fais du spinning. Tu essaies de réfléchir pendant que tu travailles, tu sais, t'imagines...
Quel genre d'outils tu pourrais développer pour réussir ce genre de manip de manière automatique, tu vois, en l'enrichissant avec tes propres masters. Moi, j'ai des centaines de fichiers, tu vois, donc je me disais, ce serait génial. Mais je crois que c'est un boulot incroyable et c'est tellement... la langue française, elle est riche en plus. Hein. Je crois qu'il y a plein de choses en anglais qui fonctionnent bien et qui en français ne donnent pas grand-chose non plus. Hein. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est sans parler de l'allemand. Non, l'allemand laisse tomber quoi. T'as des structures de phrases qui varient en fonction de la manière dont elles commencent. C'est des déclinaisons de partout. Ah ouais, exactement. Et ouais. Des mots qui s'imbriquent les uns dans les autres. Ouais, voilà. C'est l'enfer l'allemand. Ouais, l'allemand c'est dur. Hein. C'est vraiment une langue difficile. Hein, bon. C'est intéressant quoi. C'est la linguistique. Ouais. Niveau-là, c'est vraiment intéressant à étudier, quoi. Mais autant en anglais, par contre, c'est vrai qu'il y a des outils en anglais, je crois, qui fonctionnent plutôt pas mal, quand même, hein, pour spinner en anglais. Mais en français, c'est pas encore ça, quoi, pour l'instant. Ah, pour générer du texte, tu veux dire Même pour faire du spin en auto, hein, avec de l'anglais. Ah oui, avec du spin en auto, ouais. Il y a des trucs vraiment cool, hein, ça rend mieux qu'en français, quoi, hein, globalement. Hein. Beaucoup mieux. Mais bon... C'est le futur. Après, le futur, c'est maintenant. Hein, mais je pense qu'on a encore besoin des humains pour l'instant, pour tout un tas de choses. Et pour l'instant, c'est pas remplaçable à 100%. Et c'est pas pour toutes les utilisations et pas pour tout, quoi. Mais déjà, alors, quand c'est des humains qui écrivent des textes, ça finit par créer des MFA. Alors, quand ce sera des machines, je t'explique même pas, quoi. Ouais, c'est ça. Le web, en fait, on l'utilisera plus, quoi. On va en revenir à ce que Sandrine disait tout à l'heure. Quand est-ce que le web va mourir? Si on met des machines à générer du texte, je pense que le web sera mort. Ouais, je pense aussi. Hélas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là, sur la partie tool ou Non, on peut débrider les chevaux, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi un bon master spin? Je sais que c'est une question toute bête et en fait, c'est une question essentielle aussi. Qu'est-ce qu'un bon master spin? Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire qu'à la fois, il fallait partir déjà sur un petit résumé pour commencer avant de développer davantage. Déjà, à la lecture des tirages, normalement, pour avoir vraiment un bon master spin, il faut avoir une belle qualité rédactionnelle quand vous obtenez vos spuns. Donc, les spuns, c'est les textes qu'on obtient une fois qu'on a fait tourner le spin. Hein. Après, bien sûr, il faut utiliser des champs lexicaux propres à la thématique. Ben, ça, comme n'importe quel travail rédactionnel, hein, j'ai envie de dire, ça ne change pas. On peut, à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a différentes méthodes. Hein. On peut mettre des textes, des mots, des termes et des expressions qui sont statiques et qu'on retrouvera dans l'ensemble des tirages. Et puis, on peut aussi déterminer certains termes qui sont secondaires et qu'on va faire tourner en fait, d'un texte à l'autre et qu'on ne retrouvera pas dans tous les textes. Donc ça, c'est une méthode aussi qui peut être intéressante quand on travaille sur des champs lexicaux qui sont assez larges, tu vois. Quand on a beaucoup de termes, on peut aussi s'amuser à les faire apparaître et disparaître en fonction des textes et c'est intéressant aussi de les utiliser de cette façon-là. En termes de critères, il y a le taux de similarité. Ça, c'est indispensable d'en parler parce que c'est ce qui permet de pas avoir, enfin, d'avoir la certitude qu'on n'a pas de dupliqué de contenu dans ces textes. Pour ça, il faut être autour de 20% environ. De mon côté, voilà, j'utilise Calispin pour le savoir. Je sors un certificat de qualité à chaque master spin. Et c'est ça qui me permet d'avoir la certitude que j'ai bien travaillé, quoi, en fait. Hein. Alors, algorithmiquement, si je ne m'abuse, je crois que c'est un mélange entre distance de jacquard que Sylvain utilise et une autre distance, la même qui est utilisée par Effispin, d'ailleurs. Je n'ai plus le nom sur la langue. Il y a Simash aussi, et puis... Non, je ne crois pas qu'il utilise Simash. T'es sûr? Je sais pas, Sylvain, tu, si t'es encore là, tu peux nous apporter quelques précisions. Levenstein, il y a Didier qui, ça doit être distance de jacquard et Levenstein, je crois. C'est un mélange des deux. Et je crois que c'est le mélange des deux qui marche le mieux, en fait. Ouais. Alors, le mélange des deux, je sais pas comment. Est-ce que c'est moyenné ou quoi? Je sais plus, mais. Alors ça, c'est sa recette magique, hein. Non, je crois qu'il n'y a rien de magique hein, là-dedans. Hein. Il n'hésite pas à en parler, hein, parce que ça fait justement partie de,
Enfin, de toute façon, tout le monde n'est pas capable de coder ce qui va avec. Hein. Tout à fait. Mais je crois qu'il a quand même ses petites choses à lui, quand même. Il a aussi sa recette, Sylvain. Je crois qu'on n'a pas tous les éléments. Je pense qu'il a sa petite recette à lui. Pour ça. La distanciation, c'est important, Yeka, il nous met. Surtout ce moment. Bien joué. Ouais. Donc voilà, c'est des algos de vérification de distance, en fait, entre... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Audrey ? Le contrôle de similarité s'appuie sur le mariage de l'algorithme de Kuhn-Munkrus qui permet de comparer les mots les plus semblables par pair d'une chaîne à l'autre avec l'algorithme de Levenstein. Okay. Okay. Et ça, c'est ce qui a été, c'est ce qui est dit en fait sur le site de EFIDIS, de EFISPIN. Ok, d'accord. En tout cas, ça fonctionne bien et c'est précis. Et l'avantage de Kalispin, en plus, c'est que il va nous proposer les tirages les plus éloignés les uns des autres, quoi. Admettons qu'on ait un spin créé pour 1000 tirages, tu vois, par exemple. Lui, il va tirer 30 000 tirages en amont. Il va nous sortir que les 1000 les plus éloignés les uns des autres, il va tous les comparer les uns aux autres et il va sortir vraiment la crème de la crème, quoi. Donc c'est bien, et puis en plus c'est un service qu'il faut utiliser parce que c'est important de le dire aussi, c'est un service qui n'est pas cher puisque c'est à chaque tirage c'est 25 euros hors taxe et pour ce prix là on a l'ensemble des tirages, on a plusieurs milliers de tirages plus le certificat de similarité. Après, quand on est sur des très très hauts volumes de tirages, je crois que c'est plus cher. Voilà quoi, c'est vraiment un truc qu'il faut utiliser, quoi, parce que ça vaut le coup vraiment de le faire et ça se répercute pas de mon côté sur le coût de la réalisation du spin, hein. Tu vois, c'est un petit service en plus, sauf que ça change tout, quoi. Et j'ai déjà entendu Sylvain Doré dire que tes master spin étaient les meilleurs. Ah bah merci. C'est chouette. J'essaie de faire de mon mieux en tout cas. Et puis après, il y a des thématiques qui sont plus difficiles à traiter que d'autres aussi. Donc, bien évidemment, on n'a pas toujours 13% de similarité sur des spins. Hein, tu vois, quand tu es sur des champs lexicaux avec des termes que tu ne peux pas remplacer, c'est évident que tu n'as pas le même scoring non plus. Il faut que ça reste cohérent. Donc, c'est toujours un équilibre qui est difficile à trouver, quoi. Mais bon, tu vois, même quelques années après, j'ai toujours la boule au ventre avant de recevoir le Kalispin, hein. Mais tout le temps, il n'y a rien à faire. J'ai toujours comme ça, en attendant de l'ouvrir et de voir si tout est bon et si j'ai suffisamment bien bossé, tu vois. Donc tant mieux si tu as dit ça me fait plaisir, je suis flattée. Et Audrey dit 13%, c'est un taux en moyenne, c'est un bon taux en moyenne, c'est ça ? 13%, c'est un taux exceptionnel, vraiment. C'est pas, en moyenne, c'est plutôt autour de 20%, tu vois. 20 autour ou en dessous, quoi. Et tu parles de combien de tirages ? N'importe. J'ai sorti des masters avec 40 000 tirages où j'ai eu 16% de similarité, quoi. Wow. Donc, tu vois, on peut vraiment aller loin et vraiment faire des choses intéressantes, quoi. Alors, voilà. Juste pour la petite anecdote, j'avais fait le test quand j'étais en agence. J'avais demandé à 3 rédactrices différentes de faire des textes sur la même thématique, de faire le même boulot. Et je ne leur avais pas dit. Elles m'ont rapporté les 3 textes. Et on bossait dans l'hôtellerie, hein, donc forcément, quand on parle de tourner en rond, quand tu bosses que pour l'hôtellerie, tu tournes en rond, quoi, hein. Dans un écrin de verdure, gna gna gna, tu vois, on commence à les connaître à force, ces tournures de merde, quoi. Et y a un moment donné, je leur ai demandé de faire 3 textes différents et je les ai passés justement au contrôle de similarité. Moi, j'avais fait un master spin à côté et j'avais une plus forte similarité entre les 3 textes des 3 rédactrices différentes que en master spin. Ah, je suis pas étonné. C'est normal, hein. Si tu veux, spontanément, en rédac, on va aller vers le même genre de formulation, le même genre de choses
comme tu dis, dans un écrin de verdure. Tu vois, c'est des choses, tout le monde pense à ça, en fait. Quand tu écris un texte, c'est les premières choses qui te viennent, et donc tu vas travailler comme ça, quoi. Quand tu fais du spinning, tu es obligé de te creuser pour trouver d'autres formulations et pour mélanger toutes les formulations entre elles. Donc, forcément, tu te retrouves avec des choses beaucoup plus uniques, quoi. Bah ouais, carrément. Tu vois, c'est ça la différence. Encore une fois, ça remplace pas. Voilà, le but, c'est pas de remplacer un rédacteur. C'est ça, ça n'a aucun intérêt parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a des pages où il faut de l'écriture à la main, parce que il y a des trucs qu'on peut pas faire avec du spin, et parce que le but, c'est plutôt d'alléger les rédacteurs sur des travaux horribles, quoi. C'est ça. C'est que ça. Hein. Et puis c'est aussi, et là, j'en parle après dans qu'est-ce qu'un bon master spin, en fait, il faut que ce soit rentable pour le client, en fait. Si c'est pas rentable pour le client, ça n'a aucun intérêt de faire du spinning. Un client qui vient et qui me demande 20 tirages, je lui dis, mais ça sert à rien, en fait. Ça vous prend une rédactrice, mais ouais. Ouais, prends une rédactrice, ce sera beaucoup mieux. Et en plus, probablement, tu paieras moins cher, quoi. Bah ouais. Pour 20 tirages. C'est intéressant, le spinning, à partir d'une centaine de textes, en fait, hein, au niveau de la grille de tarifs. Si tu divises et que tu calcules et que tu fais un petit produit en croix, en fait, à partir d'une centaine de tirages que c'est intéressant, en dessous, c'est vaut mieux écrire à la main, quoi. Après, c'est en termes de délai, si tu veux, c'est sûr que ça ira plus vite de faire un spin que d'écrire 100 textes, ou 50, tu vois. Mais bon, il vaut mieux attendre un petit peu et faire bosser des rédacteurs sur ce genre de projet plutôt que partir sur du spinning qui va pas être rentable, parce que là, du coup, on perd l'intérêt. C'est comme ça, l'intérêt, c'est que ça aille vite et que ce soit moins cher, quoi. Donc, bon, voilà, petite aparté. Loïc qui nous pose la question, est-ce que tu as une base simple pour baisser la similarité? Exemple, 4 fois le texte, 4 fois la phrase, 3 fois les mots, je pense que tu veux en parler de ça. Oui, j'ai une base. Ce n'est pas des choses que j'ai prévues dans les slides, mais je peux en parler tout de suite. Hein. En général, c'est une règle de base. Après, il y a quand même encore des petits ingrédients en plus. Mais pour partir sur la première base qui est autour de 200 tirages, phrase simple, ça suffit largement. Donc, on n'a pas besoin de démultiplier. On a juste besoin de spinner les mots et les groupes de mots. Quand c'est pour un millier de tirages, il faut doubler. À 5000, il faut tripler. À 10 000, il faut quadrupler. Et au-dessus, il faut faire x5, quoi, sur les phrases, en général. Ok. Après, les critères qui vont faire monter, descendre ces valeurs-là, ça va être notamment le nombre de mots au final, tu vois. C'est sûr, si tu bosses sur un truc de 150 mots, il va falloir varier davantage tes phrases. Tout simplement parce que quand tu as plus de volume de mots, le calcul de similarité, il se fait sur un ensemble. Donc, statistiquement parlant, si tu veux, c'est plus facile d'être éloigné sur 500 mots que de l'être sur 150, quoi. Donc, il y a un travail de différenciation qui est plus important sur les petits volumes de mots. Néanmoins, ouais, c'est à peu près ça en général, quoi. Dans la moyenne, c'est ça. Après, c'est sûr que plus tu vas loin, quand tu es sur un truc de 40 000 tirages... Voilà, il faut faire des phrases, il faut mélanger, il faut faire des phrases qui apparaissent et qui disparaissent, des morceaux qui sont optionnels, il faut potentiellement aussi faire du conditionnel et tout ce qu'on pourra, quoi. Après, il y a plein de petites techniques, mais c'est toujours pareil, c'est que le boulot à apporter est proportionnel au nombre de tirages qu'on voudra obtenir à la fin, le but étant de toujours rester dans une base de 20% de similarité, quoi. Ok, on a Alexis qui nous demande le context spinning, c'est intéressant pour quel genre de site? Ça, on va y répondre après. Ok, parfait. On avait la question, donc Alexis, on te répond dans quelques minutes. Et à ta deuxième question, Alexis aussi, évidemment, il va y avoir des spuns, il va y avoir des tirages qui vont être montrés, t'inquiète. Oui. On va peut-être même le faire en live d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, je pense que je vais les sortir en live depuis le spin directement. Hein. Parce que j'ai un spin à vous montrer, que j'ai mis de côté justement pour vous faire une petite démo et vous montrer un peu la manière dont je construis la base, quoi. Comme ça, vous aurez tous mes petits secrets, mes petits ingrédients magiques entre les mains pour avancer. Et vous verrez que c'est du boulot. Ouais, c'est du taf, quoi. Il faut se creuser un petit peu la cervelle pour y arriver, et surtout sur le long terme, en fait. Il y a beaucoup de gens qui commencent, qui en font pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, ils font autre chose, en fait, quelques années, parce que c'est dur. C'est rébarbatif, un peu. Mais le résultat est cool, et du coup, c'est stimulant pour ça, quoi.
Alors, pour en revenir donc à la, qu'est-ce qu'un bon master spin? Bon, ajouter des données variables aussi, ça aide à créer un bon master spin, parce que ça aide à différencier les textes aussi, hein. Donc ça, on peut utiliser plein plein de données différentes. Ça dépend du type de texte qu'on va générer. Si on fait des textes pour du service et de la géologue, ben, on va faire varier la ville, le département, la région, le pays potentiellement, et puis des données géographiques, des données sur la population, voilà quoi, démographique, et puis voilà ce genre d'éléments quoi. Si Des c'est des itinéraires. Oui, voilà, par exemple, tout ce qu'on aura envie, en fait. Hein. Après, ça permet d'être hyper créatif, hein, le spin. Hein. Donc, des fois, j'ai des clients qui arrivent avec des idées géniales, hein, vraiment, quoi, qui ont des super trucs auxquels j'aurais pas pensé. C'est hyper intéressant. Donc, quoi, avec les variables, on peut vraiment imaginer beaucoup, beaucoup de choses. On peut mettre plein de choses en variable. On peut mettre des phrases entières en variable aussi, si on a envie. Ça permet d'avoir des options, en fait, des éléments qui vont être conditionnels. Et pareil, bah voilà, les données variables, on peut aussi en insérer dans des fiches produits, notamment quand c'est des boutiques qui vendent un seul produit décliné de plein de manières différentes, quoi. Notamment, on peut penser à la peinture automobile. Ça, c'est j'ai plusieurs clients dans la peinture auto, notamment. Donc, qu'est-ce qui va changer? Il y a la couleur, la marque du véhicule. Les références, le conditionnement, ça peut être des pots, ça peut être des pots de retouche, ça peut être des bombes de peinture, et c'est ce genre d'éléments qui va varier. Après, la qualité de la peinture, c'est toujours la même en général. Voilà quoi, toutes les caractéristiques vont être les mêmes. Donc, on va mettre en données variables en fait tous ces petits éléments-là qui varient d'une fiche produit à l'autre, mais finalement, ça reste toujours le même produit. Donc, voilà, on peut aussi utiliser les variables pour ça, quoi. Après, si vous recevez un master spin, vous pouvez aussi, même d'un coup d'œil, voir si vous avez des textes suffisamment différents. Vous les faites défiler, en fait, les uns à la suite des autres. Et il faut que ce soit visuellement différent. Ça aussi, c'est un bon repère finalement. Si vous faites défiler les textes, vous voyez que c'est toujours à peu près la même structure, que c'est toujours à peu près, ça commence toujours un peu pareil. Ils font tous le même nombre de mots. C'est pas génial, quoi. Par contre, si quand vous faites défiler et que vous voyez plein de choses très différentes, des volumes différents, voilà, un coup c'est un peu plus long, un peu plus court, le nombre de phrases qui varie, le démarrage qui est un peu différent, la position des paragraphes qui change, le nombre de paragraphes, le nombre de phrases, tout ça, c'est des choses aussi qui jouent beaucoup sur la similarité. Et donc, c'est intéressant de le faire même visuellement, quoi. Même si vous avez un taux de similarité. Vous pouvez aussi parcourir les textes de cette manière-là pour avoir un aperçu supplémentaire, quoi. Ça fonctionne aussi, quoi. Et après, bah voilà, on en parlait, la rentabilité, hein, bien entendu. Il faut que ça vous coûte moins cher que de passer par un rédacteur. Sinon, bah, c'est pas la peine de s'embêter avec le spinning. Et il vaut mieux faire bosser des rédacteurs à ce moment-là. Quand on a 20 textes, 50 textes, ça n'a aucun intérêt. À partir de 100, on peut discuter déjà et on commence à avoir un intérêt financier à tout ça, quoi. Ok. On passe à la suite? Allez. Allez. Donc, dans quel cas peut-on avoir recours au content spinning? Donc, voilà, celle-là, c'est pour Alexis. Donc, quel type de texte? Donc, ça, pareil, ça n'engage que moi. Hein, c'est ce que je préconise. Il y a des choses qui marchent avec du content spinning, mais que je préconiserais pas à des clients. Donc, ça, c'est. Après, il faut faire des tests, il faut s'amuser. Rien n'empêche de s'amuser. Si vous faites des choses pour vous-même, amusez-vous. Mettez des tirages partout et testez des trucs. Il y a des choses qui marchent super bien. Mais dans mon cas, pour une utilisation client, il y a des choses que je déconseille. Déjà, ce que je conseille, c'est les textes dédiés à la géolocalisation. Ça, c'est vraiment le truc, je crois que c'est le sujet, la thématique qui fonctionne le mieux et qui est la plus souvent, enfin, que je rencontre le plus souvent, quoi. Ça va être là dans le cas justement dans le spin exemple que je vais vous montrer, c'était Express Canalisation, donc c'est débouchage de canalisation à Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Metz et puis toutes les communes qu'on voudra, sachant qu'on peut aller jusqu'à l'ensemble des communes françaises et puis parfois même au-delà, on peut rajouter la Suisse, la Belgique, le Luxembourg si on a envie, etc. Donc ça c'est bien sûr une thématique. Qui fonctionne super bien avec le spinning et qui est insupportable pour les rédacteurs, quoi, clairement. Et puis, c'est beaucoup trop cher, hein. Faire 40 000 textes par un rédacteur, c'est pas gérable, quoi. Il y en a pour des centaines de milliers d'euros, ça n'a aucun intérêt, quoi.
Donc ensuite, eh ben, les fiches produits e-commerce, quand on est, ben, voilà, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, donc sur la peinture auto, par exemple, ou d'autres. Le tout, c'est que on puisse utiliser une seule et même structure pour l'ensemble des tirages, quoi. Il faut que ça reste cohérent. Donc la limite de l'utilisation du spin, elle est là, quoi. Si vous avez des produits trop disparates, on ne pourra pas utiliser un spin pour vous faire vos fiches produits, quoi. Ça, ce ne sera pas possible. En revanche, quand c'est des produits similaires, ça s'y prête très bien et c'est très efficace et le résultat est vraiment intéressant. Les produits qui ont les mêmes attributs, quoi. Voilà, exactement. Ouais, quand c'est des produits vraiment similaires où il suffit de changer quelques caractéristiques pour obtenir ces fiches-là, c'est parfait, quoi. Le reste du temps, c'est pas adapté, quoi. Les petites annonces, on peut avoir immobilier ou site de rencontre, par exemple. Hein, quand on crée des sites de rencontre et qu'on a besoin de remplir un petit peu au lancement, bah, on peut faire quelques annonces via du content spinning. Ça marche très bien. Pour l'immobilier aussi, ça marche bien. Beaucoup, beaucoup de clients dans l'immobilier, hein, parce que pareil, c'est des choses qui sont très similaires. Il n'y a que des caractéristiques très simples qui vont évoluer d'un produit à l'autre, mais au final, bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Texte pour site adulte, alors là, c'est génial. Hein. Vraiment. Hein. En plus, c'est génial l'adulte, le content spinning dans l'adulte, c'est génial parce qu'on a un tel vocabulaire. C'est ce que Yeka disait. C'est vrai, il faut être honnête, tu vois. J'ai commencé en faisant des textes adultes quand j'ai commencé la rédaction il y a 11 ans, les premiers clients que j'ai eus. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait 80% d'adultes. Hein, donc enfin, tu vois, c'est le content spinning dans ce cas-là, mais c'est vraiment c'est génial, quoi. Et en plus, tu peux aller hyper loin parce que tu peux tellement t'amuser. Vu que tu peux parler de manière familière ou de manière grossière, de manière plus formelle, tu peux utiliser tous les tons possibles. Donc, tu as toutes les tournures de phrases possibles et imaginables. Tu as un vocabulaire pas possible. Et tout ce qui est argotique, c'est génial à utiliser parce qu'il y a vraiment des possibilités qui sont infinies. Donc, je pense que, enfin, tu vois, j'ai fait quelques trucs déjà, notamment pour des annonces webcam et ce genre de trucs, quoi, ou même de la rencontre adulte. Et tu peux vraiment, tu as des résultats qui sont géniaux, quoi. Tu peux vraiment faire du contenu génial en spinning dans l'adulte, hein, ça, c'est clair. Il y a Alexis qui veut un exemple. Un exemple. Non, ce ne sera pas pour aujourd'hui les exemples, mais en plus, je ne peux pas vraiment, à part le site que je vous ai sélectionné, parce que celui-là, je peux, mais sinon, je ne peux pas tellement vous montrer d'exemples, parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas envie qu'on diffuse leur contenu, hein, bien évidemment. Bah, on a déjà de la chance, hein. J'ai quand même vu ce que tu as préparé, on a déjà beaucoup de chance d'avoir un travail aussi complet que tu vas pouvoir nous présenter, franchement. Ce sera déjà pas mal, et puis pour l'adulte, bah, il faut commander. Bon, Alexis, à bon entendeur. Hein. Voilà. Donc, voilà. Bah, après, voilà, toute page qui nécessite un habillage et qui reste similaire à sa voisine, quoi. L'idée, elle est là, quoi. Après, les utilisations que moi, je ne recommande pas, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne le recommande pas. C'est notamment pour le netlinking, articles de blog, communiqué de presse, publications annuaires, ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas toujours une bonne chose d'alimenter un réseau de site avec du content spinning, parce que ça se remonte. Donc, on peut, même si ce n'est pas pénalisant vis-à-vis des moteurs, ça peut être pénalisant vis-à-vis de la concurrence. Et voilà, tout le monde n'a pas toujours de bonnes intentions. Et on peut, voilà, je ne vous dirai pas comment, mais on peut remonter des choses et des résultats. Et voilà, quand on alimente un réseau de sites avec des spuns, c'est un peu ce qui peut arriver. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça peut très, très bien marcher, on peut avoir des résultats géniaux. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure utilisation. Et surtout, voilà, dans mon cas, en tout cas, dans mon quotidien, ce n'est pas des utilisations que je conseille, quoi. Après, amusez-vous, testez, c'est ça, hein, le SEO. C'est jouer avant tout, hein, donc bah, il faut jouer, quoi. Des fois on gagne, des fois on perd, hein, mais il faut jouer. Alors justement, il y avait une question bah, d'Alexis encore, hein, non pardon, de Senchal, et le spin au niveau positionnement SEO, ça donne quoi? Bah écoute, j'ai quelques courbes à vous montrer par la suite. Que certains clients ont bien voulu me communiquer. Pour ceux qui ont envie de fouiller aussi, j'avais fait une présentation justement avec un cas concret client
Donc, pour ceux que ça intéresse, je peux partager les slides. Là, on avait des choses très, très concrètes au niveau des résultats, mais je ne me souviens plus exactement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, cette conf. Mais on avait multiplié par 3 le nombre de mots-clés positionnés, par exemple. En fait, moi, j'ajouterais, hein, c'est pas compliqué, hein, quand tu as 18 shops qui vendent des appareils photo et qui font un copier-coller du catalogue fournisseur, donc ils ont tous le même texte, et que tu en as un qui se décide à faire du spin, donc à utiliser justement les attributs de tes appareils photo pour pouvoir générer du texte, du beau texte, hein, puisque tu peux faire du très beau texte qui va parler de l'appareil photo. Tu peux même déclencher des morceaux de paragraphes en fonction de certains critères de l'appareil photo en question. Je parlais tout à l'heure à Oriane de... par exemple, tu as un appareil photo, tu peux considérer qu'à partir d'un kilo 5, c'est lourd. Alors, je n'y connais rien en appareil photo. Hein. Moi, il faudrait demander à Lolo, mais... et donc, tu peux dire qu'à partir d'un kilo 5, tu vas déclencher des portions de spin. Typiquement, cet appareil est quand même relativement lourd. Prévoyez des prises de vue sur pied, etc. Et tu peux enrichir tes textes de cette manière-là en te disant, bon, bah, à chaque fois que je vais rencontrer tel ou tel critère, je vais ajouter telle ou telle portion de texte, spiné lui-même, hein, un paragraphe spiné, etc. Et tu vas obtenir des textes qui vont être déjà très peu similaires et qui vont être jolis en plus, et qui vont apporter du sens et de l'information. Donc voilà, quand t'es le seul à faire ça au milieu des 18 qui ont fait un copier-coller dégueulasse de leur catalogue, ça marche très bien, voilà. Effectivement, ouais. C'est une très bonne utilisation, et puis ça fonctionne aussi bien que du texte rédactionnel, hein, quand tu l'utilises bien et que tu fais du propre. Il n'y a pas de raison que ça ne rank pas, et il y a des gros sites, hein, qui ont utilisé. Il y avait à l'époque, avant Doctolib, il y avait Mon Docteur aussi, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, mais Doctolib a racheté Mon Docteur, mais à la base, il y avait une concurrence à ce niveau-là, et en fait, Mon Docteur, ils ont tout fait avec du spin. Hein. J'en ai fait juste une petite partie à l'époque, quand j'ai commencé, j'en ai pas fait beaucoup, ça a été une autre boîte qui les a fait surtout. Et ils ont tout fait, ils ont tout spiné, quoi. Il y a plein de grosses boîtes et de trucs super lourds qui rankent super bien, qui font tout en spin parce que ça marche bien, mais quali, quoi. Il ne faut pas balancer des choses moches, il faut vraiment, faut bosser, quoi. Voilà, c'est de l'artisanal, mais ça marche bien. Clairement. Ça rank sans clairement. Problème. On a Jax qui te demande si tu fais ça en anglais. Moi, non. Mais non, moi je le fais pas parce que je me sens pas assez légitime pour bosser sur de l'anglais. Donc, ok. Priori... Et donc, ouais, donc pour en finir avec ça, moi ce que je recommande, c'est de publier ces spuns sur maxi 3 sites, quoi. Des fois, on a des marchands qui ont 3 sites différents pour les mêmes produits. Ça fonctionne très bien de publier le contenu des fiches produits sur les 3 sites différents, mais il ne faut pas aller plus loin que ça. En tout cas, voilà, ça n'engage que moi, encore une fois. Et c'est un truc bien spécifique, client, monnaie site et compagnie. Donc, moi, ce que je recommande, c'est ça, quoi. Après, faut faire des tests, et il y a des trucs qui marchent super bien, sans pousser autant la qualité, au niveau rédactionnel comme au niveau de la similarité. Hein, il y a des gens qui bossent avec 40 ou 50% de similarité et ça fonctionne toujours. Donc, après, ce ne sera peut-être pas aussi pérenne, mais ça fonctionne. Donc, pour ça, il ne faut pas. Voilà, moi, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a que les limites qu'on se fixe soi-même. Alors, une autre question ? Je la note. Il y en a une, mais on se la garde pour plus tard. Marthe 71. On en parlera après de ta question. Ok. C'était quoi la question ? Tu la sauras après. Ok. Alors, comment créer un bon master spin pour des pages géolocalisées ? C'est les données variables, en fait, surtout, hein, qui font la différence entre des pages géolocalisées et d'autres pages. Donc, c'est bien d'en utiliser un maximum tout en restant cohérent. On n'est pas obligé de bourrer non plus le texte de variables, mais tout ce qui est géographique,
et qui peut faire l'objet de recherches est intéressant, quoi. C'est des données qui restent sympas. Après, on peut aussi regarder un peu ce que font les concurrents, hein, parce qu'on fait tous un peu les mêmes trucs. C'est intéressant des fois de ne pas faire la même chose exactement. Il y a des données démographiques qui aujourd'hui sont utilisées très très fréquemment. Est-ce que ça vaut le coup de les utiliser nous aussi? Peut-être pas. Après, on peut aussi être assez créatif et trouver d'autres manières de jouer avec les variables sur les pages géolocalisées pour les améliorer encore. Et ça, c'est à la stratégie de chacun, j'ai envie de dire. Hein. Après, on va se répéter un peu, mais ce qu'il faut pour un bon master spin pour des pages géolocalisées, il faut adapter la structure du master spin selon le nombre de pages qu'on a envie d'avoir à la fin. Donc, on ne va pas fournir le même travail quand on est une centaine de pages ou qu'on est 40 000 pages, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas le même boulot, on ne va pas avoir la même structure de spin, on ne va pas y passer le même temps, mais il faut en tenir compte, quoi. On ne peut pas partir sur le même boulot, on ne peut pas avoir un truc trop léger pour faire 40 000 pages, bien évidemment. Donc, il faudra pousser davantage, il faudra démultiplier les paragraphes, il faudra démultiplier les phrases, spinner les mots et les groupes de mots. Ça, c'est important. Et c'est un truc qui marche très, très bien. C'est un détail hein, pourtant, mais le fait de faire des variations dans une phrase, on a généralement deux ou trois groupes de mots. Le fait de réécrire dans une phrase des groupes de mots, mais ça apporte un boost à la similarité qui est incroyable, quoi. Donc ça, c'est une petite astuce bon, qu'on est nombreux à utiliser, mais au début, on n'y pense pas forcément. Et c'est vraiment une chose à faire. Permuter les phrases, permuter les paragraphes, ça aussi, c'est important. Et il faut... éviter certains mots de liaison dans les phrases, bien évidemment, pour ne pas perdre le sens, quoi. Il faut éviter les « enfin » et « finalement », etc. Parce que si on veut déplacer une phrase, évidemment, il ne faut pas qu'elle ait l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il faut qu'elle intègre au reste. Donc tout ça, c'est des petites techniques rédactionnelles qu'il faut s'approprier pour faire du spin et pour le faire bien. En conclusion, au début, ça fait bizarre. Exactement. C'est exactement là que je voulais en venir. Donc il faut éviter ce genre de termes pour que ça puisse bien fonctionner, que ça reste super clean. Mais il faut permuter, quoi. Il faut s'amuser à permuter, il faut faire varier le nombre de phrases. Et c'est tout à fait possible, en fait. En jouant un peu avec la rédaction, on peut très bien modifier quasiment toutes les phrases, enfin permuter toutes les phrases d'un paragraphe. Presque toutes. Souvent la première, on ne peut pas modifier la première. Parce qu'il y a souvent une petite phrase d'introduction à un paragraphe. Donc, bien de garder une phrase un peu statique et après de s'amuser à permuter toutes les phrases et puis en enlever, en rajouter. Voilà, tout ça, c'est le truc qui marche bien. Et puis après, bah, chacun trouve aussi ses petites astuces. C'est ça, hein, l'ingrédient secret, c'est aussi ce qu'on apporte nous en tant qu'être humain et qui fait que le spin, c'est pas un truc complètement automatisé et que ça reste semi-automatisé, quoi. Hein. Donc, on a tous des choses à apporter, on a tous des petites astuces à trouver. J'avais bossé avec un client qui avait fait un travail incroyable. Il avait en fait développé son truc à lui de spin. Il avait fait tout fait dans des tableaux CSV où il avait mis des variations de groupes de mots, de trucs. Il en avait fait, mais je sais pas combien, c'était exponentiel. Et c'était incroyable la manière dont il avait construit ça, sachant qu'il ne faisait pas ça au quotidien. Donc voilà, chacun peut apporter quelque chose. Et c'est ça l'ingrédient secret, en fait. Hein. C'est un petit peu de soi, comme pour la rédaction et comme pour tous ces métiers-là, en fait. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à tester et puis à être créatif, surtout. Ouais. Ça enlève finalement pas de cet aspect de créativité à la rédaction, alors qu'on pourrait y penser, hein. On pourrait se dire, ouais, ça ressemble presque à un travail de développeur, machin. En fait, c'est un peu comme les mots croisés, quoi. T'amuses, quoi. C'est un jeu de l'esprit qui est... Mais bon, par contre, après, tu penses spin, hein. Attention, hein, quand vous conduisez, après... après, tu spines les voitures, tu sais. Ouais, c'est tout à fait vrai, ouais. Tu spines tout après. Même quand tu es en train de parler, quand tu parles, que tu utilises un mot, t'as aussi... T'as tout un tas de synonymes qui te viennent à l'esprit, t'as tout un tas de, tu vois, donc du coup, t'as tendance à formuler, reformuler tes phrases, tu vois, donc tu deviens un peu relou, en fait, mais bon. Si tes amis t'aiment bien, ils acceptent au bout d'un moment. Bon, et vous remarquerez quand même des volumes hein, dont elle parle, quand Oriane parle de 40 000 tirages,
Alors déjà, au niveau budget, je parle pour ceux qui critiquent le spin, qui disent « Ouais, le spin, c'est Black Hat, le spin, c'est tout pourri, c'est tout caca. » Parce qu'on en entend plein qui le disent, et j'en ai entendu pas mal, enfin, j'en ai lu pas mal qui disaient « Ouais, le spin, blablabla. » Là, on parle de 40 000 textes. Trouvez-moi un budget, déjà, pour faire 40 000 textes sans passer par ça, sur la même thématique, on est bien d'accord. Donc, typiquement, j'ai 20 000 appareils photo... Trouvez-moi un budget pour écrire 20 000 fiches d'appareils photo. Et puis, trouvez-moi derrière, si vous avez le budget, le rédacteur ou le groupe de rédacteurs qui acceptera de faire ça. Parce que franchement... Hein ? Et en combien de temps aussi ? Et en combien de temps ? Non, c'est un truc à devenir fou, hein. C'est les textes trop similaires comme ça, rédigés à la main, mais ça rend dingue. Ah oui, oui, bah, ça, c'est... Fatiguant. C'est clair, c'est clair. Je crois qu'il y a un autre cas aussi. Enfin, tu parlais de pas le faire pour du linking. Pour des réseaux de sites, ça peut quand même être intéressant, hein. Je pense que ça l'est, mais je sais qu'on peut remonter aussi de diverses manières. Tu vois, avec des petits footprints, on peut quand même remonter des trucs. Les footprints, c'est un truc, c'est tabou. T'as beau les analyser, les connaître, les comprendre et tout ça. On l'avait fait avec Sylvain, il me faisait un tirage des footprints, tu vois, des n-grammes en fait, avec le nombre d'apparitions, lesquelles étaient les plus... En fait, le travail que tu peux faire là-dessus est assez limité, quoi. Parce que finalement, ça sort du cadre du spin et au final, si tu te mets à trier, t'as plus rien qui est valable en fait. Hein, donc, t'es obligé d'avoir des footprints, quoi. Ça, c'est... Ouais. T'as toujours des parties constantes, même si t'essayes de tout faire varier. Oui, t'as toujours des parties que tu vas... Voilà, c'est des petits morceaux, ça va être mélangé d'un texte à l'autre. Tu vas avoir ce bout dans le texte 36 et dans le texte 90 et dans le texte, etc. Tu vois, ouais. Et un autre bout que lui, qui sera présent dans le texte 56, 88, et, enfin, tu vois, des quoi. Donc ça, c'est malheureusement, c'est imparable. Hein, mais c'est pour ça que bon, ben moi, au niveau des réseaux de sites, je suis pas, je suis mitigée, tu vois. Donc, je préfère le dire et donner mon avis, et puis pas vendre la presta, et plutôt que ne rien dire et qu'après, tu vois, c'est soumis à discussion. Donc, ça peut se débattre, je pense. Hein. Mais après, ça fonctionne. Hein, je suis persuadée que ça fonctionne méga bien et que c'est génial. Hein. C'est clair que ça fonctionne, mais voilà, mais ça se remonte. Donc après, il faut être méga intelligent dans la manière dont on crée ces réseaux de sites, quoi. Ça c'est un autre métier, c'est pas le mien. Mais si t'es fort en réseau de sites et que t'es malin, t'as peut-être moins de chance de te faire repérer, quoi. Ouais, après, faut faire du spam dexing avec les footprints. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. T'es un pirate. Tipiak. Est-ce que tu vois autre chose, toi, à rajouter à cette... Non. Pas d'autres questions Non, vas-y, continue. On verra après que t'aies montré des choses. Je voulais parler des erreurs à éviter, mais je pense que ce sera mieux si les gens ont quelque chose de matériel devant les yeux avant qu'on en parle. Pareil pour les erreurs, j'ai une presse complète hein, sur les erreurs. Donc, si jamais ça en intéresse, en même temps que la presse sur les résultats, là, moi, je peux vous faire passer ça. Hein. J'ai un guide complet que j'avais fait pour le SEO Camp, en fait. J'avais fait un petit atelier il y a 2-3 ans. Mm-hmm. Et j'avais recensé toutes les erreurs communes qu'on peut faire et tous les trucs sur lesquels il faut être vigilant et des petites astuces et tout. Donc, ça peut faire l'objet aussi, pour ceux qui le souhaitent, d'un partage de cette presse. Hein. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. C'est un truc hyper concret, donc là, ça s'y prêtait pas tellement. C'est un peu leçon, quoi, tu vois. Il vaut mieux faire comme si, mettre les mots masculins d'un côté, les mots féminins d'un autre côté, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Du très, très concret, mais ça, je peux le partager à tous ceux qui auront envie. Laissez vos mails et moi, je vous partage ça. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour pas trop vous planter, quoi, pour gagner du temps, surtout. En correction. Ok, bon, on passe à la suite alors. Alors, comment publier les tirages sur mon site ? C'est une question que je rencontre souvent et notamment aussi bien sur Twitter que auprès des clients.
Bon, moi, je ne suis pas développeur, donc je me, je, enfin, je, c'est pas moi qui m'occupe de l'intégration des tirages. Par contre, je sais qu'il y a un petit plugin qui est cool, que tout le monde utilise plus ou moins sur WordPress, c'est WP All Import. Je sais que celui-là, il est utilisé un peu par tout le monde, hein. Et il On marche a très Yeka qui nous en a parlé il y a 2 semaines. En fait, il nous a fait une presse. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il nous a fait une ouverture vers les deux. Ouais, les deux présentations suivantes. Ouais, vers celle avec Capitaine WP et la tienne. Parce qu'en fait, sa presse, ça correspondait à aller récupérer de la data en automatique avec Zenoposter, créer un CSV que tu importes dans WordPress avec WP All Import, et puis après, il nous expliquait comment il gérait l'affichage de toutes ces données dans WordPress. Donc on avait vraiment les deux aspects. D'ailleurs, si vous voulez aller revoir le replay avec Yeka, hein, 3h17 quand même, hein, le record. Ah ouais. Énorme, énorme. J'ai pas encore vu, je suis pas allée le voir encore. Très intéressant. Ouais, je me souviens avoir lu qu'effectivement il y avait des recoupements vis-à-vis des lives suivants. Et en tout cas, ce plugin-là, donc c'est bien pour le spin aussi, hein, donc ça vous fait une raison de plus de l'utiliser. Après, on peut intégrer en base de données aussi, hein. Ça se fait assez facilement. Et puis sinon, voilà, c'est un travail aisé pour n'importe quel développeur qui se respecte, hein. Donc, faites bosser les développeurs pour ça. J'avais des clients, les pauvres, qui ne savaient pas comment faire, qui intégraient tout en manuel, ça leur prenait 2 jours. Oui, ouais. C'est dommage, hein, parce que bon, ça peut prendre 5 minutes aussi. Donc, Ouais, Yeka avec Dreamweaver, on peut le faire aussi. Dreamweaver. Oh, le vieux truc. Voilà, bon, ça répond. Je pense que ça répond à la question. C'est pas du tout un aspect qui est compliqué, hein, même si vous vous retrouvez avec un CSV avec 40 000 textes à l'intérieur, vous n'allez pas passer 2 mois à les intégrer. Hein, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des plugins qui font ça très bien pour vous et qui sont très simples à utiliser. Je ne sais pas si toi, tu as autre chose à rajouter, Fred, sur Non. l'intégration. Non, hein, on a fait le tour. Bon, non, c'est du texte. Après, Okay. en plus, tu peux le fournir dans un format, dans un groupe de TXT, je pense. Je sais pas, c'est quoi ta sortie? Ben, justement, ça, j'en parle après aussi, mais il y a plein de possibilités. C'est peut-être le prochain. Non, c'est pas le prochain. Mais c'est pas, j'en parlerai juste après. J'ai fait une petite C'est slide. ça. Ça dépend de la sortie, en fait, hein. Ouais, mais on peut faire plein de choses avec aussi. Si c'est Ouais, du c'est ça. Word, ça fait chier. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est moins sympa. Donc on va parler un petit peu de sous parce que finalement c'est aussi ça le content spinning, hein, c'est faire des économies. Est-ce que c'est plus économique de passer par du content spinning? Bah oui, vraiment plus économique. Je vous ai pris un exemple moyen. J'ai pas voulu prendre le truc le plus ouf parce que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Je suis partie sur le master spin moyen qu'on me commande le plus souvent. C'est-à-dire 1 000 textes de 500 mots. Si vous passez par un rédacteur, outre le fait qu'il va probablement se tirer une balle à la fin, il va vous prendre 25 000 euros hors taxe, et encore s'il prend 5 euros les 100 mots, qui n'est pas un tarif complètement dingue, hein, on est sur un tarif plutôt bas. Donc voilà ce que ça peut coûter. Et si on fait du spinning, dans ma grille tarifaire, c'est 1 900 euros hors taxe. Donc bah voilà, ça fait 13 fois moins cher sur un master moyen, encore une fois, hein. Sur des masters où on a 40 000 tirages, c'est presque 100 fois moins cher, quoi, quand même. Je suis pas partie sur cet exemple-là parce que finalement, c'est pas forcément le plus représentatif, mais ouais, on peut aller jusqu'à 100 fois moins, on peut avoir quelques centimes pour un texte de 500 mots, quoi. Donc autant dire que ça n'a rien à voir, hein. Et puis ça reste abordable même quand on n'a pas un budget extraordinaire. Donc ouais, c'est intéressant. À condition bien sûr de l'utiliser à bon escient et de ne pas oublier que la rédaction c'est un métier à part et que c'est pas ça, la rédaction c'est pas faire du travail à la chaîne. Voilà pour la question. Donc est-ce qu'on a... Merci pour la transparence.
Ah bah de rien, bah de toute façon, c'est important aussi, hein, parce qu'encore une fois, si on fait du spin, c'est aussi une question financière, donc bon, bah, il ne faut pas se le cacher, quoi, hein, la qualité, c'est une chose, mais si ça coûte trop cher et que ça vaut pas le coup, on voit C'est pas clair. l'intérêt. Hein. Quels éléments fournir au prestataire? Donc, de quoi j'ai besoin pour réaliser un spin? Ben, soit un exemple de texte, hein, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est-à-dire on part vous partez de votre idée de base et du texte de base qui vous plaît, vous le rédigez vous-même et vous me le faites parvenir, ou alors un brief rédactionnel classique, hein, peut suffire aussi. À ce moment-là, c'est moi qui crée la structure, donc le texte souche, c'est-à-dire celui qui va me servir de base au spin. Donc ensuite, une analyse de mots-clés, hein, voilà, comme n'importe quel travail rédactionnel. Ça, c'est un travail que moi, je ne fais pas de mon côté, ou très rarement, parce que j'ai remarqué que finalement, chaque SEO a un peu sa stratégie à lui. Donc l'idée, c'est plutôt d'appliquer la stratégie de celui qui passe commande que d'imposer une stratégie en fait, à celui-ci. Et généralement, ça se passe comme ça, quoi. Chacun a ses tools, chacun a ses préférences. Donc, chacun a sa façon de procéder. Des fois, il n'y a quasiment pas de consignes. Il y a deux, trois mots-clés, puis après, ça reste naturel. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'avis à ce niveau-là. Parce que finalement, ça marche quand même dans tous les cas. Mais chacun, me confie un peu sa stratégie. Moi, j'applique la stratégie, de mon client. Donc, un tableau de variables, sous Excel, hein. Quand il y a des variables, parce qu'il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, bah, voilà, j'en ai besoin, bien évidemment. Donc le nombre de mots, le nombre de tirages, ça me permet d'établir le devis, en fait, hein, de savoir combien ça va vous coûter. Et puis n'importe quelle info voilà, qui s'avère pertinente et dont je pourrais avoir besoin pour créer le spin, sachant qu'il y a des clients qui n'aiment pas certaines tournures de phrases, donc ils me le disent en amont. Tu vois, voilà, y a des choses comme ça qui sont propres à chacun, et donc chacun a aussi sa manière de voir les choses. Et on peut s'adapter en fait à plein de choses, quoi. Le tout, c'est de quand on a une contrainte d'un côté, ben on va essayer d'être plus créatif de l'autre côté pour commencer, quoi. Ouais, de toute façon, ça reste un travail de rédaction, hein. Oui, en effet, ça reste un travail de rédaction, et Donc, faut que ça reste pertinent au niveau de la rédaction. Donc il faut réussir à faire de la rédaction. De la multirédaction, quoi. Et donc là, j'ai un magnifique glissement vers la question de Mart71. Comment Ouais. tu rédiges un spin opti avec YourTextGuru et les textes de Cocon SE, enfin, et où les textes de Cocon SE ou 1.fr? Est-ce que tu mets les keywords dans toutes les occurrences? Alors, ben, ça dépend. En fait, je pense qu'il y a des keywords qui sont indispensables. Si on parle d'un plombier, ben, bien évidemment, on va mettre plombier dans tous les... C'est un exemple tout simple, bête et méchant, hein, mais pour bien comprendre, on va utiliser plombier, on va utiliser aussi quelques expressions clés les plus importantes. Tu vois, ça en général, c'est déboucher une canalisation, ça va être, tu vois, ce genre d'infos vraiment très précises. Et après, pour le reste, j'en mettrai dans certains textes et pas dans d'autres, et ainsi de suite, quoi. Je les inclurai dans le travail de spin, de manière à ce qu'on n'ait pas toujours les mêmes termes, parce que bien évidemment, on peut pas utiliser tout le rapport 1.fr dans tous les tirages, quoi. Ça, c'est un truc qui marche pas et qui est trop contraignant pour du spinning. Après, on peut quand même aller loin. Encore une fois, hein, c'est toujours ce que je disais il y a 2 minutes, hein, c'est quand on a une contrainte d'un côté, on est plus créatif de l'autre côté. Donc on peut toujours trouver des solutions, hein. Même si on a beaucoup de mots-clés imposés, et ça m'est arrivé, hein, d'avoir beaucoup de mots-clés imposés, qu'on faisait donc apparaître dans tous les spuns, bah, à côté, il faut trouver un autre moyen de les amener et d'être créatif à côté pour maintenir toujours ce taux de similarité, puisque c'est un peu ça la base, quoi. La base pour que ce soit pertinent, outre la rédaction, c'est la similarité. Donc voilà comment je procède. Encore une fois, c'est aussi en accord avec le client. C'est aussi voilà, c'est des discussions avec le client. Voilà, on met en place une stratégie ensemble. Voilà, en fonction des expressions sur lesquelles il veut ranker, des expressions les plus pertinentes, des expressions qui semblent plus secondaires et qu'on peut utiliser donc en les faisant tourner. Voilà, c'est un travail, c'est au coup par coup, en fait, hein, vraiment. Encore une fois, c'est encore une fois artisanal, quoi. Il y a rien d'automatique à ce niveau-là non plus. Ok.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie? Non, non. Non? Ok. Alors, combien de temps pour faire un bon master spin? Ça aussi, c'est important. Bah, vachement moins longtemps que pour faire les textes à la main, bien évidemment. Surtout quand on en a beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un gros master, donc, bon, je pars souvent sur 37 000 tirages parce que c'est toutes les villes de France et c'est un volume qu'on retrouve assez souvent. Et 500 mots, pareil, hein, c'est une moyenne. Pour ça, il faut compter une semaine de travail à peu près. Tout en sachant qu'après, il peut y avoir un travail de correction et puis des petites choses qui vont s'ajouter après, post-V1, on va dire. Mais en gros, il faut compter une semaine de travail. Et puis, pour un volume un peu plus bas, 400 mots, 1000 tirages, il faut 2-3 jours, quoi. 2-3 jours. Donc, je peux en faire deux par semaine, des 400 mots, 1000 tirages à peu près. Et encore en allant vite et sur les périodes où, voilà, parce que c'est un travail, c'est une gymnastique de l'esprit quand même. Et ça prend pas mal d'énergie. Donc, il y a des moments où il faut reposer un petit peu le cerveau aussi. Oui, et puis quand il faut chercher les accolades manquantes, tu peux rigoler longtemps des fois. Ouais, bon, ça, pareil. Ça, c'est un truc qui s'acquiert en fait. Hein. Ouais, oui, c'est une mécanique à mettre en place. Mais me dis pas que ça t'arrive plus. Eh ben, quasiment plus. C'est vrai? Ouais. Waouh. Mais c'est normal, j'en ai tellement fait aussi qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il passe en automatique, hein, tu vois. T'es en pilote automatique au bout d'un moment pour ce genre d'éléments, tu vois. Pour la spin tax, t'arrives à sentir quand il en manque une, hein, tu vois. Tu sens à un moment donné qu'il y en a une qui manque, quoi. Donc, tu la retrouves assez facilement. Et puis surtout, il y a ça, il y a le fait aussi que généralement, tu arrives plus facilement à repérer ces erreurs-là parce que tu sais comment tu les fais, ces erreurs-là, quand tu les fais. Oui. Quand tu connais, tu arrives à retrouver, tu vois, ton accolade, tu la retrouves assez facilement. Ça, c'est vraiment... Mais au début, ce n'était pas le cas. Hein, même pendant on va dire, les deux premières années, ça, c'était l'angoisse. Hein. Des fois, tu passes une heure sur un paragraphe et tu ne retrouves pas la foutue accolade qui manque et tu n'arrives pas... Puis des fois, tu la retrouves, t'en rajoutes une, tu refais tourner le spin dans X-Spin. Puis ça merde. Et là, un truc dégueulasse te reste juste au plus tard. Avec un... Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais, ça, c'est un peu l'enfer, mais ça, c'est des choses... Et t'as un outil pour vérifier, pour t'aider à la spin tax? Bah, X-Spin. Ok. Après, je rédige enfin, tout ce qui est spin, je le rédige à la main, à part sur un fichier texte tout simple, phrase après phrase, en fait. Et tout de suite, une fois que j'ai une phrase de terminée, je la passe dans X-Spin. Tout de suite, je la copie-colle dans X-Spin dans un module. On verra tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, on fera un petit tour. Comme ça me permet de voir si j'ai fait une erreur ou pas. Mais très sincèrement, maintenant, j'en fais, c'est très rare, quoi. Okay. Ouais, c'est la manière de décomposer les choses et puis d'empiler les spin tax. Il faut pas faire n'importe quoi. Non, voilà, faut y aller tranquille et faut petit bout par petit bout, quoi. Vraiment. Faut pas. Et puis il faut essayer de quand on commence une phrase, faut aller au bout en fait. Si on va pas au bout et qu'on se fait interrompre en plein milieu, c'est foutu. Il y a un truc qui marche bien pour ça, c'est le pomodoro d'ailleurs. C'est Sandrine Bertrand qui me l'avait conseillé. Hein. C'est une petite pause toutes les heures, c'est ça? Non, en fait, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ah oui, c'est même pas toutes les heures. Non, c'est même pas toutes les heures. Ouais, c'est un truc de branleur, ça. Non, je te promets qu'en termes... Ah, je déconne. Non, mais vraiment, en termes de productivité, ça m'a fait faire des trucs, le pomodoro, incroyable. Vraiment. Je pense que je l'ai fait naturellement, en fait. C'est possible. Ouais, bon, au bout d'un moment, t'as des mécanismes aussi. Je pense que si ça marche, c'est que ça se base quand même sur des choses concrètes et qui fonctionnent bien, quoi. Donc, mais c'est génial, hein, ce truc-là. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment... ça m'a sorti des fois de phases difficiles de productivité où j'avais vraiment des difficultés. Et ça m'a sorti de certaines phases ouais, vraiment, vraiment compliquées et au contraire, en faisant exploser ma productivité, mais comme jamais, quoi. Ok. Un super outil et ça permet justement de se concentrer, voilà, pendant 25 minutes on se laisse déconcentrer par rien. Et pour le spin, c'est nécessaire, comme pour le code, hein, je pense que c'est le même process, quoi, hein. C'est à dire qu'il faut pas se louper, faut pas avoir un caractère en trop. Il y a Audrey qui nous a inventé un pomodoro spécifique, c'est boulot apéro. Non, t'as le télétravail aussi, c'est un peu de télé, un peu de travail. Ça aussi, c'est ça. En ce moment, c'est d'actualité.
C'est une copine qui m'a dit ça une fois, ça m'a fait rire, donc c'est une petite blague que je m'approprie et que je vous fais partager. Donc voilà, pour la productivité, donc effectivement, en une semaine, on peut quand même sortir 37 000 textes de 500 mots, ce qui est bien évidemment est compliqué, même avec une belle équipe de rédacteurs, c'est quand même, il faut quand même un bon paquet de rédacteurs pour sortir ça, quoi. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Alors, sous quelle forme puis-je récupérer mes contenus ? Donc, on en parlait tout à l'heure, les livrables. En fait, c'est assez vaste. Hein. En général, c'est en CSV. C'est le truc qui marche bien, ça s'intègre facilement. Voilà, c'est assez facile et c'est un format qu'on me demande souvent, le plus souvent même. On peut aussi partir sur des points .txt. Ça aussi c'est un format assez facile à intégrer en fonction des outils et de la manière dont on procède hein, mais c'est possible aussi sur du JSON c'est possible aussi, je l'ai déjà fait après bah, bien évidemment c'est Sylvain qui me met ça en forme hein, c'est lui qui fait les tirages donc c'est avec lui que je gère les commandes particulières à ce niveau là, ça j'y touche pas tellement mais voilà, on peut trouver un terrain d'entente. S'il y a une contrainte, c'est possible, quoi. Ouais, parce que même les CSV, il faut bien choisir son séparateur, hein, vu que c'est du gros texte. Ouais, il faut pas se louper. Ouais, des fois, il y a des petites... Si on a des variables avec des virgules, tu vois, avec deux, trois mots séparés par une virgule, des fois, ça met un peu le hasard. Donc, ouais. Après, il y a des astuces hein, pour bouiller les fichiers, les CSV. Il y a des astuces aussi, quand il y a des petites erreurs, mais bon, quand on peut éviter, c'est plus cool, quoi. Clairement. Après, on peut aussi... donc, on peut définir une convention de nommage, c'est-à-dire qu'on peut renommer aussi des fichiers si nécessaire. Ouais. Notamment, quand on est sur des choses de la géoloc qui a du gros volume, on peut avoir, par exemple, le nom de la ville plus code postal, quoi. Typiquement. Ça peut aider parfois, même si c'est pas très courant, mais c'est possible, ça se fait. Donc, ouais, si nécessaire, c'est possible. Voilà pour les livrables. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Bah non, hein, c'est tout. Est-ce que toi, tu vois autre chose ? Non. Non, c'est largement suffisant. Ok. Le content spinning, est-ce risqué ? Est-ce une pratique black hat ? Non. Non. Mais ça dépend. En fait, c'est toujours pareil, hein, ça dépend. A priori, on peut faire du contenu pérenne, solide et lisible et propre et beau avec du spinning, mais il faut respecter tous les critères dont on parle depuis tout à l'heure qui sont toujours les mêmes, hein, qui sont la similarité, la qualité de rédaction, les mots-clés qu'on utilise. Et puis après, voilà, encore une fois, quand je dis je ne publie pas mes spans sur 100 sites différents, c'est parce que toujours pareil, hein, c'est problématique client, quoi, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Mais bon, ce n'est pas des choses que je recommande, en tout cas pas sur un truc vraiment pérenne, quoi, hein, si on veut que ça dure des années et des années. Après, on n'a pas de garantie sur rien, en fait. Hein, je pense qu'en SEO, on est tous soumis aux mêmes problématiques de moteur et d'algorithmie et de tout ça. On ne peut pas savoir quels seront les changements dans les mois et dans les années à venir. Hein. Ça, personne ne peut prédire l'avenir. Donc, on peut pas. Il n'y a aucune certitude sur rien, finalement. Mais en tout cas, on peut ne pas prendre de risques avec du spinning. Ça, c'est possible. Tiens, regarde, je fais juste le test. Dans un écrin de verdure entre double côte, 1 840 000 résultats. Et Airbnb, et... Ouais. Ah oui, Booking, oui, hein, TripAdvisor, Gite.fr, chambre d'hôte. Tu vois, non mais... Ouais, mais ouais, c'est comme ça. C'est, quand on rédige, on crée du duplicate déjà en rédigeant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas ranker, d'ailleurs. Mais avec le spinning, on peut le vérifier, on peut le mesurer, on peut le maîtriser, on peut le gérer, quoi. Complètement. Donc, tout ça, c'est des choses, on peut maîtriser beaucoup de choses avec le spin. Et, je pense que si c'est propre, si c'est suffisamment diversifié, qu'on est malin, qu'on est un peu créatif, mais pas trop aussi, qu'on arrive quand même à se fondre un peu dans la masse aussi, parce que c'est un peu le but, hein, c'est pas de créer des tournures de phrases incroyables qu'on n'a jamais vu nulle part.
faut rester sur des choses qui se lisent facilement, quoi, qui sont digestes. Et si on fait ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais complètement. Aucune raison. Complètement. Tu peux pas, tu pourrais pas faire mieux, en fait, humainement. Donc, Oui. aucun problème. Il y a un autre cas d'utilisation qui me vient en tête, là. C'est pour créer du contenu pour les plateformes de vente type Amazon hein, aussi. Hein. Ça peut être très utile. Hein. Combien tu vois de e-commerçants balancer tout leur magnifique contenu? Il y en a qui se sont fait chier à réécrire les contenus de chaque fiche produit à la main. Hein. Tout ça pour cliquer sur le bouton, je balance tout dans Amazon. Hein. Ouais, donc ouais, c'est pas. Mais bon, ouais, ça rentre dans le cadre des fiches produits au final, hein. Ouais. Mais ouais, effectivement, c'est plus concret dit comme ça, hein, mais ouais, effectivement, c'est une bonne utilisation. J'ai pas rencontré encore de mon côté, mais c'est clair que c'est super, quoi. Ça évite, encore une fois, hein, ça évite un boulot difficile, fastidieux à la main, et ça fonctionne bien, quoi. Si on s'applique. J'ose pas cliquer sur ton lien, Yekage. En l'industrie, Ça commence par un site de points Jackie et Michel avec écrin de verdure dedans. c'est pas beau. Mais qu'il est fou celui-là. Alors. Ok. Alors, puis-je publier des spuns sur un monnaie site? Bah oui. Toujours en faisant attention, voire conseil précédent, hein, pas à refaire 200 fois, mais oui, bien sûr. Faut pas flipper, faut juste confier ça aux personnes qui savent faire ou prendre le temps de le faire soi-même comme il faut. Ça prend du temps, c'est long, mais ça se fait. Une question très intéressante de Lucio qui nous dit spin les images, c'est important. Écoute, très sincèrement, j'ai jamais intégré d'image dans les spawns. Ouais, ça peut être intéressant, ça, ouais. Oui, ça se fait. On pourrait imaginer te fournir une liste d'URL d'images dans l'Excel et puis ça pourrait, tu sais faire de la balise HTML. Oui, mais bien sûr. Et on peut faire du maillage interne aussi très facilement d'ailleurs. C'est important. Ouais. Notamment sur la géoloc, quand tu as les villes, puis que tu as fait des pages département, des pages région, bah, tu peux linker directement, pareil, hein, avec un système de variables. Tu mets une variable pour l'encre, une variable pour l'URL. Tu fais une petite balise, et puis ça roule, hein. Avec les bons éléments à l'intérieur. Tu peux même faire varier les encres si tu veux. Tu peux faire plein de trucs, quoi. Et tout ça rentre dans le cadre de la créativité liée aux variables, en fait, hein. Comme tu dis, dans le CSV, tu mets des URL d'images et puis voilà, quoi. Et ça, tu peux l'intégrer. Du coup, ça permet de moins se fatiguer, quoi, à la fin. T'intègres et t'as un truc qui fonctionne, qui est prêt à l'emploi, hein. Carrément. Donc, ouais, le maillage interne, c'est un truc que je fais très souvent, hein, pour tout ce qui est géoloc, en fait, hein, tu as des liens vers les pages, bah, voilà, page département, page région, ou vers la home, ou ce qu'on voudra, en fait, hein, selon la stratégie de chacun, encore une fois, hein. OK. Ça s'intègre très facilement, et tout ce qui est de cet ordre-là, ça se fait facilement, et il faut voilà, c'est intéressant d'être créatif et d'exploiter cette méthode le mieux possible pour qu'elle soit la plus rentable possible, quoi. Complètement. On a Cédric qui nous dit, j'avais fait ça pour un annuaire, chaque texte de département était un spun où j'intégrais en variable les départements voisins uniquement. Donc après, voilà, sky is the limit, hein, si vous faites du développement sur mesure et si vous développez votre propre machine à générer du spin, vous pouvez même aller chercher sur des API. Voilà, hôtel plus ville par exemple, vous récupérez depuis l'API Google Maps l'itinéraire depuis la gare, l'itinéraire depuis la gare de bus, l'itinéraire depuis des points, des POI importants de la ville. Voilà, c'est un type. Ouais, c'est hyper intéressant. Quel quartier aussi tu peux aller c'est un autre c'est autre chose encore, mais ça te permet d'aller chercher pas mal de données, si tu veux, notamment les communes limitrophes. Ça aussi, c'est des bonnes variables à mettre, tu vois. Les 5 communes limitrophes ou les départements limitrophes, effectivement. Voilà, hein, comme. D'ailleurs, Xpin a la capacité de se connecter à une base de données, il me semble.
tout à fait, ouais. Mais ça, j'utilise. C'est pas des choses que j'utilise moi de mon côté, mais c'est des utilisations possibles. Ouais, ouais, c'est difficile pour les clients de leur demander les accès à la base de données quand même. Ouais. Ils aiment pas trop en général. Je crois que tu peux difficilement. Ça doit te sortir les spuns en direct, du coup, tu peux pas vraiment mesurer la similarité, quoi. Non, non, mais pour récupérer de la data, moi je dis pour les textes à trous. Oui, d'accord. À la place oui, de l'Excel, en fait, tu peux connecter sur une BDD. Ouais. Mais bon, ouais, il faut quand même un certain niveau d'intimité, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, ou que ce soit ton propre site. Oui, voilà, ou que ce soit ton propre site, bien sûr. Ouais. Quand c'est du client, ouais, c'est vrai que c'est rare d'avoir ce genre d'accès, quoi. Mais ouais, Xpin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'en utilise beaucoup, mais il y en a encore plein d'autres qui sont utilisables. Que toi, tu utilises, Fred, et que moi, je n'utilise pas, par exemple. Et, qui sont, voilà, c'est un super outil. Hein. On va en parler après. De toute façon, on va faire une petite démo. Juste après, je vais vous montrer un exemple concret. Allez, allez, can't wait. quelques résultats. Ça, c'est juste pour... c'est un peu à la mode de montrer des belles courbes. Donc c'était deux masters mis en ligne en novembre 2019 et juin 2020. Donc on voit que ça fonctionne bien. Souvent c'est des sites où il n'y a pas eu beaucoup plus que ça de fait. Mmh. Pour booster les positions. Donc voilà, ça fonctionne. Et puis surtout ça dure, quoi. On voit que ça dure dans le temps. Là il y en a un deuxième, livré en août 2020. Après, il y a les aléas, hein, mais bon, on voit quand même que ça marche, quoi. Que ça marche, que ça tient, que ça se casse pas la gueule au bout de 6 mois et que c'est chouette, quoi. Complètement. Hop, encore un. Celui-là, il est pas mal aussi. Voilà, c'est les clients qui ont eu la gentillesse de partager avec moi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. À chaque fois, je demande. Hein. Je dis, bon, vous me tenez au courant, vous m'envoyez des petites stats. Pour ça, il faut les relancer, en fait. Ouais, voilà, parce qu'après, ils passent à autre chose, ils sont contents, et puis passent complètement à autre chose, et malheureusement, on n'en profite pas, c'est dommage. Mais c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour les contacts, si besoin. Ceux qui ont envie d'avoir les slides bah, pour les petites presses dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur Twitter, bien sûr, et puis à mon site qui est toujours en construction depuis très longtemps. Pas le temps de mais là, cette fois-ci, c'est quand même en bonne voie. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, il y aura quelque chose de sympa pour vous. Donc, vous pourrez aller y faire un tour quand il sera en ligne. Très bientôt, très prochainement. Bah, tiens-nous au courant. Bah oui, ça marche. J'ai un peu honte quand même. J'avais un site quand je faisais de la rédaction. Je m'étais fait un beau petit WordPress toute seule comme une grande, il y a quelques années maintenant. Et là, ça fait 4 ans et demi que je me dis, bon, il faut que je fasse un site quand même. Et en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'arrive pas à caser ça dans le planning. Je pense que je suis pas assez bien organisée, peut-être. Mais en tout cas, ça va bientôt venir. Là, c'est en bonne voie. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux passer de ton côté à une petite démo de Défi Spin pour qu'on puisse... Ouais, alors tu as un petit Master Spin à m'envoyer Même un gros si tu veux. Ouais, mais par contre, je crois qu'il aime pas trop les gros Master Spin, Défi Spin. Il aime pas trop les gros. Non, je crois pas. Ok. Fispin, tu peux l'utiliser. Ouais, enfin, il y a gros et gros, hein, mais. Ouais, là, je pense que ça va être peut-être un peu trop gros. Hein. Je sais pas combien il fait celui-là. Je regarde. Là, je suis sur Xpin avec vous. Justement, hop. On va regarder si ça fait un gros. Vraiment. Ouais, c'est un gros spin, ça déjà. Ouais. Bah vas-y, on va essayer, mais normalement il galère. Ok. Attends, il y a peut-être Cédric qui nous dit quelque chose. Si, il faut juste désactiver le contrôle de similarité. Ah, d'accord, ok. Alors vas-y, balance. Tu m'envoies par mail ou dans le chat. On va essayer dans le chat, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on va tout casser. J'ai un peu peur. Hop. Alors, par mail, je te fais un mail. Immédiatement.
Tac. Alors, bouge pas, que je t'envoie ça. Il est un petit peu lent, hein. C'est normal, c'est la connexion occitane. Ah oui. Ok, je suis connecté à ma boîte. Attends, là, du coup, j'arrive même pas. On voit plus nos écrans pour info, hein. Ouais. J'ai vu. Alors, je m'excuse, hein, c'est un petit peu long. Si j'ai un petit problème de connexion, je pense, mais. Tiens, C'est pas dites-moi. grave, hein, ils sont patients, tu sais. Ouais, ils sont encore là. Bon, ça va. Bah, ceux qui sont partis, c'est... Ah non, j'allais dire, ils sont allés chercher les enfants à l'école, mais... Ta-da-ta-da-da-da. Je pourrais me m'épeler ton mail dans... Attends, dans une seconde, parce que là, je vais mettre la pièce jointe. Hop. Ah, Cédric nous dit qu'il a une version 2 alpha sous le coude. Oh, alors ça m'intéresse. Mais pas encore diffusable. Ben balance, Cédric. Est-ce que tu peux me redonner ton mail, s'il te plaît? Parce que je crois que Fred@stricaya.fr. je... Ok. Voilà. Il n'est pas si gros que ça, hein, donc ça devrait aller. Il fait Non, mais 8 Go. non, mais ça va passer. Non, non, enfin, il supporte quand même des... Supporte quand même. Mais ça fait déjà le job, hein. Franchement, pour du gratuit, c'est déjà très bien. Est-ce que c'est passé? C'est passé. Ok, super. Voilà. Ok, donc on a l'aide à la syntaxe aussi dans Efispin. Donc on voit que les blocs spinés sont en gris alors que les blocs non spinés ne le sont pas. Enfin, c'est plus ou moins vrai ce que je dis. Ok, et donc après, on a préférence. On va virer le contrôle de similarité. Ok, alors on peut déjà faire un spin unitaire, hein. Ah ouais, il y a du dollarville, bah c'est pas grave, de toute façon ça va. Oui, il y a des variables. Et d'ailleurs, hein, sur le spun, hein, vous pouvez laisser vos variables si vous faites comme des shortcodes par exemple, puis après vous les remplacez dans une phase d'après, c'est tout à fait possible aussi. En effet, sinon Sylvain le fait quand c'est une prestation en plus, mais il le fait aussi avec Calispin. Il tire et puis il remplace les variables dans les tirages direct. Donc c'est bien. C'est pratique. Bon, on sait déjà que c'est un gros spin puisqu'il galère, hein. C'est un moyen spin celui-là. Il fait un méga quelque chose, je crois. C'est déjà pas mal. Après, c'est les permutations hein, qui augmentent beaucoup le volume comme ça. Hein. Pas non plus. C'est pas que du travail manuel, hein, bien évidemment. Bon bah Pardon. c'est trop gros. C'est trop gros? Oh, zut! Ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est on peut faire une petite démo X-Spin. Je vais montrer un peu comment ce spin-là a été construit. Et puis, à ce moment-là, je t'enlève les permutations, si tu veux, et après, tu le passes dans FI-Spin. Ouais, ben on va déjà voir Enfin, en tout cas, ils savent que ça existe, hein, voilà, c'est le principal. Et si vous voulez vous lancer dans le spin, faire des petits spins, ça vous permettra de faire le job. Après, si vous voulez vous professionnaliser, ben forcément, il va falloir taper dans des choses un peu plus. Par contre, on voit ton écran si tu veux enlever tes mails. Hop. Désolé, Ouais, c'est, j'aurais dû le voir, hein, j'étais distraite. Donc voilà, donc là, nous sommes sur l'interface X-Spin. Alors bon, là, c'est le spin finalisé, donc on va partir sur un truc vierge pour vous montrer comment ça marche. Donc encore une fois, le but d'X-Spin,
Ça n'est pas de spinner vos mots automatiquement. Hein. Bon, je crois qu'il y a un système de dictionnaire, il y a possibilité de le faire, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité vraiment de cet outil. Le but de cet outil, c'est de créer un spin polymorphe et de s'amuser à créer notamment des permutations, des éléments optionnels, etc. Donc c'est surtout structurel et c'est vraiment une aide énorme et c'est très intéressant à utiliser quand on fait du spin et un peu de haute voltige quoi. Donc je vous invite vraiment à prendre la licence qui est je crois une quarantaine d'euros par mois, 38 euros je crois par mois TTC. Donc voilà c'est abordable et si vous comptez faire du spin assez fréquemment, c'est bien de l'avoir quoi. Donc là, on est sur un projet, un nouveau projet. En fait, chaque phrase de notre spin, on va pouvoir la placer dans un petit module comme ça qui s'appelle texte source. Donc, on l'ouvre. On peut écrire un truc au hasard juste pour vous montrer comment ça marche. Hein. On met la spin tax, blabla, bibli. Hop. Blou Blue, hein, bien évidemment. Donc, on va pouvoir notamment mettre plusieurs versions de cette phrase-là. Ici, on va pouvoir mettre une autre version de ma phrase. Et ensuite, on peut en mettre autant qu'on veut. Ici, il faudra mettre NL to spin, ça veut dire New Line to spin, ça veut dire qu'on veut. Qu'il utilise une seule phrase à chaque fois. Qu'on en mette une ou deux ou trois ou dix, il n'en utilisera qu'une seule. Donc ça, c'est intéressant de... Enfin, faut penser à cocher cette petite case. Ce qui est cool aussi, c'est qu'effectivement, si on fait une erreur de syntaxe, on se fait engueuler. Du coup, ça nous permet de savoir un peu où se situe l'erreur. En tout cas, il nous dit qu'il manque une accolade. Donc on peut repérer et remettre son accolade et puis on est bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on va pouvoir rajouter comme ça le nombre de phrases que l'on souhaite. Donc là, on va dire que c'est un premier paragraphe. On peut en créer un deuxième. Hop, et ainsi de suite. Après, ça, l'utilisation est hyper simple et hyper ergonomique en fait, parce que on aura juste, si on veut les mettre les unes à la suite des autres, à concaténer en fait ces blocs. Avec un petit élément concatène. Et hop, on pourra les mettre les uns à la suite des autres, comme ça. On va mettre un petit numéro juste pour vous montrer le résultat. On prend bien sûr un bloc sorti systématiquement, ça c'est ce qui va nous permettre de faire fonctionner notre spin. Et à la fin, on fait voir Xpin et nous sort le master spin en entier. Donc là, on a bibi blablabla, hein, les bêtises, et puis 1, 2, 3, ce qui correspond aux autres phrases. Donc c'est plutôt génial, en fait, parce que ça nous permet de tout assembler et de tout avoir dans l'ordre ou pas dans l'ordre en fonction de ce qu'on voudra, puisqu'on a d'autres éléments, notamment le module permute. Hop, donc là, on va enlever le concatène, on va tout passer dans un module permute. Ça va nous permettre, en fait, de permuter les phrases. On relie toujours au module de sortie pour qu'on puisse avoir le résultat. On choisit le nombre final d'éléments qu'on veut. Bon, on en a 4, donc on peut en avoir 4 si on a envie. Et on peut aussi lui demander de nous en mettre que 2 sur 4 à chaque fois. Et ce sera toujours dans un ordre différent. Quand on va regarder le texte, puis ça, puis ça, puis ça, et puis ça, c'est pour 2. On peut en mettre 3. Si on en met 3, ben, on aura à chaque fois 3 phrases. Toujours dans un ordre différent, ou 4, ou une seule si on le souhaite. Donc ça, c'est un module qui est génial et qu'on peut utiliser aussi quand on fait des paragraphes. Notamment, là, on a créé deux paragraphes. On peut faire comme ça, juste concaténer les quatre phrases pour commencer, puis on va concaténer ces phrases-là. Donc là, on a deux paragraphes.
On va mettre des petits chiffres aussi pour les retrouver. 4, 5, 6. Hop. Une fois qu'on est là, on peut utiliser à nouveau notre module permute. Et cette fois-ci, il va nous permuter directement nos paragraphes. Hop. Donc, voir texte. Donc là, on a mis un seul, on va mettre deux, comme ça on comprendra un petit peu mieux. On mettra un peu plus tard. Voir texte, donc on va avoir, ici on a 4, 5, 6 et autre version 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hop, là c'est encore une autre version. Là c'est encore une autre version, etc. etc. Donc on peut choisir, encore une fois, on peut aussi lui demander à ce qu'il ne mette qu'un seul paragraphe sur les deux. Ça veut dire que qu'on n'en aura toujours qu'un seul sur deux, sur ces deux-là. Ça, c'est hyper intéressant aussi, parce qu'un coup, on a le premier, un coup, on a le deuxième. Et ça nous permet de créer des spins polymorphes hyper intéressants. Voilà, ça, c'est un exemple très simple sur juste deux paragraphes, mais on peut imaginer quand il y a 10 ou 15 paragraphes ou 10 phrases par paragraphe, tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut à la fois permuter les phrases et permuter les paragraphes aussi en utilisant juste ce petit module-là. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus dans la construction des spins. Après, on peut aussi s'amuser à créer des petits modules. Donc avec ce qu'on a structuré là, on peut en faire un module et puis on peut faire un autre module. Et ça permet un petit peu d'alléger la structure et après de s'amuser toujours avec ces outils de permutation optionnels aussi. Ça permet d'avoir... par exemple, cette phrase-là, une fois sur deux dans notre spin, ou deux fois sur trois. Voilà, à vous de déterminer en fait ce que vous voulez en faire, mais ça permet vraiment d'améliorer la similarité énormément, et puis surtout de faire le moins d'erreurs possible, quoi. Donc là, c'est un exemple tout simple. On va passer sur un truc un peu plus costaud qui a déjà été fait. Attends, on a Yeka qui nous pose une question. Est-ce que tu prépares la structure de l'article, nombre de paragraphes, permutations, etc., avant de commencer à rédiger, ou tu fais ça en live ? Non, je le fais en live, hein, en général. J'ai une vague idée de ce qui sera nécessaire pour obtenir quelque chose de solide en fonction du nombre de tirages attendu. Mais généralement, je le fais en live, quoi. Puis bon, parfois, on a aussi des moments d'inspiration qui nous viennent pendant qu'on est en train de faire. Donc, c'est intéressant de traiter ça au fur et à mesure et de structurer comme ça au gré un peu de ce qu'on, du feeling hein, aussi, hein, des idées qu'on peut avoir, de se dire, bah tiens, là, je vais m'amuser, je vais mettre 10 phrases et je vais en utiliser que 5. Et puis là, je vais faire un autre truc. Voilà, c'est vraiment au gré aussi de la rédaction et faut se laisser un peu porter, quoi. Après, chacun ses méthodes aussi. Hein, peut-être qu'en étant plus méthodique... quelqu'un de plus méthodique que moi emploiera peut-être ce genre de méthode de préparer les choses à l'avance, mais moi, je ne le fais pas forcément. Quoi. Non, mais après, l'outil, il est fait pour ça, de toute façon. Oui, il permet de tester, voilà, quoi, de faire, de défaire, de refaire, et ainsi de suite. Donc, il faut l'utiliser, il faut s'amuser avec. Quoi. C'est un peu l'idée. Quoi. Et là, on avait donc ce fameux spin pour mon client... qui était bon, c'est un plombier, hein, en gros. Donc, on a... Voilà comment ça a été structuré. Ça, c'est la première partie. Donc, ici, on a des titres H2, par exemple, qui ont été démultipliés. Ici, j'ai fait des balises P, en fait, que j'ai créées en module pour pouvoir les placer facilement. Parce que, bien évidemment, quand on permute les phrases, si on met un P au début, un P à la fin... ce sera peut-être pas la même phrase qui va se retrouver à la fin, donc forcément ça ira pas forcément. Donc c'était plus malin en fait d'intégrer ça sous forme de module et d'avoir du coup le P qui s'intègre comme ça. Donc ça c'est toutes les phrases que j'ai spinées, c'est des phrases simples. Il y a des simples et des doubles, ça dépend des éléments. Hop, celle-là elle est un peu plus conséquente. Tout ça, ça a été relié. Donc, à un module concatène, sachant qu'on peut choisir aussi les séparateurs entre les phrases. Donc là, par exemple, j'ai demandé à ce que ce soit entre le titre et la suite une nouvelle ligne. Donc, il me met un retour à la ligne ici. Là, j'ai mis un peu plus loin un espace. Là, donc là, j'aurai entre mes phrases simplement un espace et ainsi de suite, quoi. Donc là, ça c'est le morceau qui me sert à introduire, en fait, le texte. Donc, celui-là... je le laisse toujours au même endroit parce que finalement il est un peu invariable, quoi.
C'est l'introduction, quoi. Voilà, c'est l'introduction. Donc on peut à pas... la tronche de l'introduction, quoi. Bah, c'est que, bon, bah, en tout cas, pour introduire, on est obligé de laisser toujours la même chose, si tu veux, sinon ça n'a plus de sens. Et le but, c'est d'être malin et pas de créer un truc moche, quoi. Ouais. Hop. Donc, du coup, on a des premiers paragraphes qui arrivent. Donc, on a, par exemple, celui-ci. Voilà, pareil, avec des titres. Donc, on a des variables aussi dans les titres et tout ce qu'on voudra. On a nos phrases de la même manière. Ici, je crois que je les ai simplement concaténées les unes aux autres. Mais on voit que ici, mon paragraphe est relié directement à un module de permutation qui va me permettre après de varier, de faire varier la place de mes paragraphes suivants. Donc là, j'ai la même chose, sauf qu'ici, je pense, voilà, là, par contre, j'ai un permute. Oh, le bordel! Au niveau des phrases. Ben, j'exploite le truc autant que possible. Ah, mais grave! Là, il est à peu près ordonné. Hein. J'ai un peu nettoyé avant de... D'accord. Avant de vous montrer. Mais on voit ici, par exemple, on a des phrases qui sont les unes à la suite des autres avec des modules de concaténation classiques. Et sur ce paragraphe où j'ai, je ne sais pas combien j'ai de phrases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur cette phrase, en fait, il y a trois phrases que j'avais envie de permuter. Donc, j'en ai mis trois dans le module permute, en fait. Les autres sont simplement concaténées parce qu'elles n'étaient pas permutables, c'était pas joli. Donc, du coup, je me suis fait un petit repère ici, on le voit, phrase 10, j'ai mis un P comme permutable. Et ça me permet ainsi de, voilà, de repérer les éléments que je vais relier à un module permute. Et voilà. Et par la suite, c'est le même fonctionnement à chaque fois. Hein. C'est soit des phrases les unes à la suite des autres, soit des phrases permutées. Ici, voilà, on voit que... Sur ce paragraphe-là, on a un H3, et puis on a quatre phrases qui sont permutées sur les cinq. Donc, on a... non, on a toutes, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Ou alors, j'ai... C'est la dernière, peut-être, qui n'était pas... Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop. Non, en fait, il y en a une que j'ai laissée toujours à la même place. C'était volontaire. Et toutes les autres, j'ai fait en sorte qu'elles soient permutables. C'est pour des raisons de sens. Hein. Voilà, après, mes trois paragraphes, en fait, sont reliés... Hop, un module permute qui est ici et qui me permet en fait de conserver toujours l'introduction au même endroit et de permuter les trois paragraphes suivants. Et ensuite, ben voilà, on a ce concatène qui permet de faire la liaison entre tous ces éléments-là et le module de sortie qui est indispensable à chaque fois. Donc Xpin, c'est bien parce que en fait, il nous permet de tester notre master spin avant de l'envoyer à tirer, parce que ça, c'est indispensable. C'est bien évidemment, surtout quand on démarre, on fait plein d'erreurs. Et comme on fait des erreurs, bah, il faut quand même faire un petit check ou deux. On peut le faire phrase à phrase, puis on peut le faire aussi directement sur le texte. Et là, on va avoir, je vais vous le mettre un peu plus gros, je vais vous sortir quelques tirages pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc voilà un premier tirage. Hop. Donc on a quand même un peu de volume. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 600 mots. Et là, on va faire à nouveau voir texte ici. Hop. Et voilà un deuxième tirage. Comparer. Bah oui, Alexis, c'est du boulot. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il dit, je crois que je préfère le duplicate. Bah ouais, c'est du taf, mais ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Pour le coup. Attends. Non, mais là, je pense que les anti-spin prennent pour leur grade, quoi. Attends, parce que j'essaie d'attraper mon fichier, j'ai le truc de zoom qui se colle en plein milieu, j'arrive pas à attraper mon fichier. Bon bref, je vous montre comme ça. Ah, tu peux le décaler. Hein. Ouais. Attends, parce que j'ai peur de faire une bêtise. Donc, du coup, non, tu peux le décaler, le truc de zoom qui fait chier. C'est bon. Et ce que tu peux faire, c'est copier dans TinyMCE. Dans quoi, tu me dis ? Tu vas sur le site TinyMCE. Alors Alors, est-ce que tu peux me les plier, s'il te plaît ? Ouais, T-I-N-Y. Ouais. M-C-E. M comme Magali, et voilà. Ok.
Ouais, vas-y, Enter. Voilà. Ok, ouais, ce sera plus parlant, effectivement. Tu descends. Encore. Mais tiens, ils ont tout changé sur ce bordel. Je connais pas du tout ceci, donc je... Là, explore démo. Attends. Attends, je crois que c'était en haut. Ouais, voilà. T'avais un truc. Ouais, explore démo. Ouais, basic example, c'est bien. Ok. Ouais, c'est juste pour interpréter l'HTML. Voilà, puis là, tu vas dans le... Tu cliques sur HTML. Ah oui, il faut déjà le... Voilà, contrôle. Wow. Ok, ça marche pas. Reviens dans TinyMCE. Alors là, c'est la galère. Ah, ils font chier. Non, tu vas pas y arriver comme ça. Alors, fais précédent. Il faut qu'on prenne un truc plus advanced. Ah, full featured. Dans le menu de gauche, là, t'as... Ouais, full featured, voilà. Alors, où est-ce qu'il est ? Full... Ouais, celui-là, ouais. Ok. HTML. Ouais, il va se lancer, ok. Et puis là... Non, tu vas dans TinyMCE. Ok. Et tu vas dans Tools, t'as quoi ? Alors, Tools... Ouais, source code. Ok. Voilà, et là, tu fais CTRL-A, CTRL-V. Ok, save. Voilà, ça donne un rendu. Ok, il y en a qui ont trouvé des solutions plus rapides, désolé. Mais... Avant, il y avait directement... Tu fais save. Attends. Ouais, ah, ça y est. Ok, parce qu'il y avait le petit... Voilà, là, on a quelque chose qui est avec le rendu de tes H2, H3, etc. Ouais, c'est... Voilà, ça donne du texte clean, quoi. Bah ouais, carrément. Il y a pas d'erreur, il y a pas de faute d'orthographe, il y a pas de truc bizarre au niveau de la syntaxe. Voilà, c'est tout à fait exploitable, quoi. Ouais, carrément. Et il y a Cédric qui dit, donc tu ne fais pas de tirage en intégrant les variables vides directement. Non, elles sont pas intégrées. En fait, elles sont intégrées quand le tirage définitif est réalisé. Quand Sylvain va recevoir le master et effectuer les tirages, c'est lui qui va faire les remplacements des variables et le client, lui, reçoit le truc prêt à l'emploi, quoi. Ok. Avec les variables remplacées, etc. Donc, il n'y a plus qu'à intégrer, quoi. Pour que vous puissiez voir. Alors, attends, comment on a fait ? On a fait Tiny, c'est ça ? Ouais, source code. Voilà, c'est un autre. C'était le premier. Donc on voit que c'est structuré différemment, que les paragraphes sont pas dans le même sens. Bon, là on a à peu près 500 mots. Il n'y avait pas de paragraphes optionnels. Ils sont tous présents, mais ils sont permutés, quoi. Et avec celui-ci, j'ai été à 20%, je crois. J'ai l'analyse aussi pour vous montrer. Après, ça, c'est une démo simple d'Xpin. Hein. C'est des fonctions de base d'Xpin. Il y a des choses encore bien plus complexes à utiliser. Mais au quotidien, en tout cas, dans mon utilisation, ce sont ces éléments-là surtout que j'exploite. Quoi. Ok. Faire des petits modules perso. il y a quelques extras aussi. On a le permut de plus. Celui-là, il permet de faire des listes. Par exemple, si on veut dire, nous avons des t-shirts bleu, rouge ou vert. Si on veut mettre trois couleurs et qu'on a 250 couleurs, on met toutes les 250 couleurs. On peut créer une liste comme ça avec les éléments qui varient. Donc ça, c'est pas mal à intégrer. Ça fait un gros pavé, mais ça, c'est intéressant pour faire varier les résultats d'une phrase. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, pour le Kali Spin, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc on reste sur le même client, le même spin. Hop. Alors, à savoir que les résultats sont calculés avant remplacement des variables. Donc, on a un petit peu de latitude encore. Là, notamment, donc ça, c'est la température sur 30 000 tirages initiaux. Donc, ça, c'est le truc de base, en fait. Il va prendre le master spin une fois qu'il sera terminé. Il va le passer à la moulinette. Et puis, il va
calculer la similarité entre l'ensemble de ces 30 000 tirages-là, de manière à me proposer à moi que les 1000 les plus éloignés, si j'en commande 1000, quoi, bien sûr. Et là, c'était le cas, c'était 1000 tirages. Donc, sur ces tirages aléatoires, donc, on avait une température de 24,7 sur 30 000. Donc, température, c'est taux de similarité. Alors, ouais, alors c'est un taux de similarité en moyenne, mais sur la totalité, en fait, et ce n'est pas un taux maximum. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le taux maximum de similarité. D'accord. Voilà, ça, c'est juste ce qu'il appelle, lui, la température, quoi. C'est un truc global, moyen, sur le premier jet de tirage de 30 000 tirages initiaux, quoi. Hop, voilà, là, on a des choses un petit peu plus concrètes. On voit qu'autour de 1000 tirages, on est à 21% de similarité, sans remplacer les variables. Donc, on va au moins avoir... Enfin, là, il n'y en a pas tant que ça, mais on aura au moins 1% ou 2% de moins une fois les variables remplacées, parce que ça rajoute de l'unicité au texte, bien évidemment. Donc, ça permet... Voilà, en général, les résultats finaux sont un petit peu plus bas, quoi. On avait fait des tests avant le remplacement des variables. Sur certains textes, d'ailleurs, on fait... un remplacement aléatoire de variables au moment de sortir le certificat de similarité. Ouais. Que si on a 25 000 variables dans le texte, bien évidemment, c'est pas très juste de calculer comme ça. Désolé, j'ai le chat qui miaule. Hein, on entend. Pardon. Donc après, on a un petit tableau qui nous permet donc d'avoir le résultat de manière plus précise. Donc, on voit que ben voilà, quoi, autour de 1000, on est à 21% de similarité. On a le seuil ici à 20, on était à 423 tirages. À 19, on en a 187. À 18, on en a 79, etc. Donc, ça, c'est un spin moyen. À 20% de similarité, il y en a des mieux aussi. Mais c'est, encore une fois, c'est une question aussi de thématiques où on peut aller plus loin et s'amuser davantage où il y a plus de variations possibles, et là on peut tomber à 15 à 13, voilà, c'est des choses qui sont possibles, quoi. En gros, ouais, après c'est du fine tuning, quoi, c'est... Ouais, voilà, bon, après entre 15 et 20 et même entre on va dire 15 et 23, on peut dire qu'on est sur un master spin de très bonne qualité, quoi, avant remplacement des variables, bien sûr, hein. Ouais. Voilà comment ça se présente, ce petit certificat, et c'est hyper utile, et ça permet d'avoir au moins... voilà, quand on est client, c'est difficile quand même de juger de la qualité d'un truc qu'on nous livre. Enfin, on peut le lire, on peut juger de la qualité rédactionnelle, on peut juger ce genre de choses, mais juger de la similarité comme ça, au doigt mouillé, c'est pas possible. Hein, donc, Sur 40 000 tirages, ou même 20 000, ou même 10 000, non, ouais. Même sur 1000, c'est mort. Il faut savoir ce qu'on publie quand même quand c'est sur un monésite. Il faut quand même avoir une garantie. Et ça, c'est la garantie d'avoir un spin qui est exploitable et qui est de bonne qualité et qui fonctionne, quoi. Donc, je sais que c'est pareil pour les autres spinners. Ils fournissent aussi le certificat Calispin systématiquement parce qu'on en a besoin c'est pour rassurer le client et que le client puisse juger de la qualité. Voilà, c'est une mesure qui est complètement impartiale, en fait, hein, qui vient d'un élément extérieur. Donc, au moins, on est sûr de ce qu'on achète et de ce qu'on publie sur son site. Voilà, après, peut-être que toi, Fred, tu veux montrer d'autres éléments sur Xpin que moi, je n'utilise pas forcément, notamment base de données, etc. Alors, attends, t'as plusieurs questions. Comment tu factures le spinning ? Alors, pour le facturer, j'ai une grille tarifaire, donc c'est simple. C'est selon le nombre de mots par tirage et le nombre de tirages. Ok. Voilà. C'est tout simple. C'est des cases, hein, donc c'est la même chose pour tout le monde. Et on a une question très technique de Vincent Braque, pardon. As-tu testé, comparé avec la fonction de Chimp pour sortir les tirages les plus éloignés, voir si leur option tirage est quali par rapport à ton XP ? Non, ça, je n'ai pas testé. Parce que sur Chimp, je l'ai juste testé comme ça en formation à l'époque. Depuis, je ne l'ai pas réutilisé. C'est quoi ça ? Chimp Writer, hein, je pense que c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, j'ai pas utilisé les mesures de similarité. De temps en temps, j'en ai testé. Alors, il y a un petit outil qui va peut-être bientôt sortir. Pour l'instant, je peux pas en dire davantage. C'est un truc qui est en développement, pas chez moi, hein, mais que j'ai pu tester, qui permettra notamment
de voir en amont, avant de lancer la réalisation des tirages et un calispin, d'avoir une idée de la similarité. C'est un truc qui marche bien, que j'ai testé là récemment sur des sites sur lesquels on avait publié certains de mes tirages. Donc je vous en dirai plus dès que ce sera sorti. Pour l'instant, je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais ce sera bientôt accessible pour tout le monde. Donc, celui-là, il sera cool et il sera efficace pour ça. Ok, ça marche. Alors, il y a une autre question, l'algo de distance qui est utilisé. Je te laisse aller voir. Attends, c'est qui nous... C'est François Gocam. Je te laisse aller voir sur le site de Calispin. À mon avis, c'est dit. Hein. Oui, normalement, je crois qu'il l'évoque sur le... Ouais, on va regarder ensemble. Bah ouais, parce que c'est quand même... il ne sort pas un certificat, Sylvain Doré, en disant pas avec quoi c'est fait. Hein. Ouais. Même si là, les fonctions de Checkspin, la licence, le prix. Hop, enfin, attends, c'est pas là. Astuce. Je ne sais même pas si. Site point et algo. Un spin. Ah oui, t'étais sur celui-là. Oui. Moi, ouais, j'étais sur Kali Spin. Après, je pense qu'il dévoile pas. Je pense qu'il dévoile pas tout. Mais c'est du solide, quoi. Moi, j'ai perso dans mon expérience, j'en ai sorti. Je sais plus. J'ai regardé l'autre fois où j'en étais des projets Xpin justement. Et je crois que j'ai à peu près 200 projets de réaliser. Et sur les 200 projets, on n'a pas eu un seul souci de site qui se casse la figure ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, c'est qu'on est dans le vrai et que la mesure utilisée est solide. Enfin, sinon, ça ne se passerait pas aussi bien. Et puis, Sylvain, je pense qu'il a vraiment créé ça. Ouais, voilà, il en parle ici ouais. Par rapport à l'outil permutation, en fait, où il parle de la théorie des ensembles avec les coefficients de Dice ou distance de Jacquard. Donc il doit certainement utiliser ces deux algos là. Je crois que c'est un savant mélange de plusieurs algos ou pas, hein, sachant que Dice fonctionne très très bien et puis distance de Jacquard c'est pareil, hein, si tu veux aller plus vite enfin bref je crois que c'est Levenstein qui se prête pas super bien. Quand il est utilisé seul, il raconte un peu n'importe quoi, Levenstein, quand on l'utilise comme ça. Il n'est pas très précis, il n'a pas une bonne compréhension du... Ah bah, il y a Cédric qui a vu sur le site « Ma mesure de distance est un algorithme personnel que je garde secret ». Ok. Ah. Tu vois, c'est bien ce qui me semblait, que c'était aussi sa petite tambouille à lui. Donc, c'est son... C'est son tool et sa méthode, et la méthode fonctionne, quoi. Après, j'ai déjà... je ne sais plus quel logiciel j'ai utilisé par le passé où j'avais un petit test de similarité et c'était moins sévère que ce que proposait Sylvain. Donc, je pense que c'est assez approfondi comme outil. Moi, je fais une confiance aveugle... dans cet outil-là et aussi dans Sylvain parce que je pense qu'il... Ah oui, oui. Il est quand même super fort, donc... Ah non, mais il n'y a aucun souci. Ça, Sylvain, tu peux y aller les yeux fermés. Ah ouais. Ça a été pensé, réfléchi, mathématisé, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. Ah ouais, ça c'est clair. C'est hyper fiable, quoi. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais montrer d'autres choses, parler d'autres choses? Ben non, je pense qu'on a une bonne base. Après, on peut rentrer dans le détail de plein de trucs, surtout dans le concret, parce que finalement, là, c'est beaucoup de théorie et le spin, ça s'apprend en spinant, en fait. Hein. Il n'y a rien voilà. à faire. Voilà, ça, c'est une magnifique conclusion. Le spin s'apprend en spinant. À demain pour d'autres phrases philosophiques. J'adore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en spinant qu'on devient spinner, voilà. je sais pas, je suis allée la chercher super loin, mais c'est vraiment ça, en fait, si tu mets pas les mains dans le corps, tu fais pas 250 000 conneries, t'apprends pas, en fait, hein,
Il faut pratiquer. Au bout d'un moment, t'arrives à acquérir un peu d'aisance et des automatismes et tout ça. Mais tant que t'as pas acquis ça, c'est galère. Ouais. C'est galère. Et on a Alexis qui nous dit « Tu as changé mon avis sur le spinning, merci. » Et je t'en prie, avec grand plaisir. Bravo, bravo, franchement, voilà, c'était l'objectif. C'était vraiment l'objectif, parce que le spinning, c'est une pratique qui est complexe, qui est un métier. Et chapeau de le faire, ce métier, d'ailleurs, parce que c'est pas simple. Mais c'est amusant, je pense, ouais, c'est ça. C'est comme les mots croisés ou le sudoku, quoi. C'est ça, c'est amusant. Et puis là, dans les futurs projets, j'aimerais bien me mettre un petit peu au code, peut-être justement pour trouver... La bonne solution pour automatiser certains éléments du spin et le faire proprement. Donc, je pense que ça va faire l'objet de la future auto-formation. Ça va être de mettre un petit peu les mains dans le code et de démarrer. Ça fait un petit moment que je n'y pense. Et là, j'ai de plus en plus besoin de... Tu vois, j'ai envie d'aller plus loin, en fait, parce qu'effectivement, ça, c'est des techniques... j'ai rien inventé, hein, clairement, mais vraiment rien. Je te montrerai des choses que j'ai faites avec grand plaisir. Et puis moi, j'ai envie d'aller plus loin aussi, tu vois, et de j'ai des idées, si tu veux, mais j'ai pas les moyens, donc j'ai envie de me donner les moyens aussi d'avancer, peut-être de proposer quelque chose de différent, de faire évoluer le spin vers quelque chose d'un peu encore un peu plus poussé, quoi. C'est une idée qui me stimule assez. J'aime bien, voilà, que j'aime pas trop rester sur un truc trop longtemps, quoi. J'ai besoin de le faire évoluer, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses pour être épanoui professionnellement. Donc, ça va être la prochaine étape, je pense. Mais je pense que déjà, tu peux exploiter plus encore de X-Spin, parce que il y a des... Enfin, moi, j'avais exploré avec les connexions bases de données et tout. Là, tu peux commencer à faire des choses qui sont assez magiques. Ce que je te disais, justement, conditionner des apparitions de paragraphes en fonction de certaines valeurs que tu récupères de la base de données. Après, on ne peut pas aller trop beaucoup plus loin, quoi. Mais je pense que le plus loin, c'est trouver un outil ou configurer un outil qui permette de continuer de faire du spin, mais de le faire différemment et peut-être de gagner du temps sur certaines étapes et d'utiliser des procédés de machine learning, parce que j'ai une base tellement énorme que je peux l'exploiter pour apprendre ça à un logiciel, quoi, tu vois. Donc, ce serait dommage de ne pas le faire. Intéressant. C'est pas trop grand, mais j'aimerais bien faire ça par la suite. Donc, peut-être à une prochaine fois avec des nouveaux trucs. Alors, on a Johan qui nous dit top, merci. On a Christophe qui nous dit bravo pour cette présentation. Ta réputation de maître Yoda du spin n'est pas volée. C'est chouette. Merci surtout de m'avoir convié. Pour moi, parce que je suis pas du tout à l'aise pour parler devant des gens, même si effectivement je suis derrière un ordi, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui m'entendent. Donc. Il y avait 100 personnes au début, écoute, et on reste 55 à peu près. C'est pas mal déjà. Bah oui, carrément. Cédric, si t'es encore là d'ailleurs, quand tu sortiras ta bêta ou que tu rendras public en tout cas ta version bêta, écoute, tu seras le bienvenu. Ouais, tu seras le bienvenu. Et... T'as besoin de quelqu'un qui fait du spin régulièrement, si t'as besoin de conseils pour des améliorations ou des trucs ou des idées, n'hésite pas aussi. Hein, moi, ça m'intéresse de partager. Donc. Avec grand plaisir. Voilà, et ben c'est parfaitement parfait. Ah, attends, bouge pas, je vais juste faire une petite transition. Comme ça. On aura fait 2h30 quand même, hein. Ouais, non, mais attends, mais c'est le spin, forcément. Et comme ça, voilà, ça c'est une belle transition, ça. C'était la galère, c'est pas grave. Ouais, non, mais merci, hein, franchement, c'était très dense, très pratico-pratique. Tu m'as complètement perdu sur la fin. Je suis désolée. Mais le X-Spin, mais il n'y a personne qui utilise X-Spin comme ça, je pense, quoi. Tu dois être la seule en France, ouais. Ah, tu crois?
Ouais, non mais ouais, ok. T'as commencé à dérouler là, j'ai vu l'ascenseur, j'ai fait ok, j'ai compris. C'est pas un... J'en ai des plus moches que ça encore. T'en J'en ai as des des vrais. plus moches que ça? Ah ouais, avec ça, mais sur 5 ou 6 modules différents. Et après, j'assemble les modules. Après, Ah enfin, oui. voilà. J'en ai vraiment des très, très, des illisibles. J'en ai vraiment des moches, quoi. Celui-là, il était potable encore. Je me suis dit, ça passe. Ça passe à l'écran encore, mais j'en ai vraiment des moches. Des très, très moches. Mais c'est génial. On peut faire, c'est cool. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Donc on a Cédric qui nous dit pas de soucis. Par contre, uniquement sous Windows, oui, mais bah t'inquiète pas, je serai sous Windows moi, mais après on montrera à tout le monde comment on installe, comment on utilise Windows sous Mac. J'ai jamais réussi à bricoler ça comme il faut sans tout casser donc Ah, sinon tu prends une VM quoi, hein. Tu prends une machine virtuelle. Alors il y a une question de Centre Europe qui est intéressante. Google a une position officielle vis-à-vis du spin? non, enfin, j'en sais rien en fait à vrai dire j'ai pas de sans doute qu'il doit pas aimer ça et doit dire que c'est un... J'imagine, non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut pas non plus faire de netlinking ni. Ok, donc je vais répondre. Non, il n'y a pas de position officielle par rapport au spin chez Google. Il y a une position, il y a déjà pas de position officielle par rapport au duplicate content de toute façon. Clairement, si vous faites ça, le faites pas sur un site que vous lancez en même temps. Voilà, faites-le sur un site qui a déjà un peu de vie, parce que sinon, ça peut passer assez facilement en spam dexing. Parce qu'on sort 40 000 pages du jour au lendemain avec des choses qui tournent un petit peu trop autour du. Donc ça peut passer facilement dans les mains d'un quality rater. Mais vu la qualité des spins qui sont sortis là, bon, à mon avis, le mec il pressera pas sur le bouton rouge. Hein. Mais Moi, je l'ai voilà. fait sur des lancements déjà. Ouais. J'ai jamais eu, j'ai aucun report de problème, hein, même Bon, sur des bah lancements. voilà. En tout Après, cas, moi une je sais que fois, sur du spin un petit peu limite en termes de qualité, tu peux te prendre une petite claque dans la tronche quand même. ouais, ça, je veux bien le croire. Mais après, mais là, en tout cas, c'est toujours une question d'expérience, hein. Enfin. Vis-à-vis de mon expérience, ça n'a pas posé de problème jusqu'à aujourd'hui. J'ai aucune histoire malheureuse à raconter à ce niveau-là. Donc, à voir. Après, effectivement, il faut soigner la qualité là quand même. Il faut que ce soit vraiment clean. Mais quand c'est clean, jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de soucis, même sur un lancement. On a Alexandre Fuchs qui nous dit j'ai quelque chose en cours de dev aussi pour aller loin dans le content spinning. On en a déjà parlé avec Oriane, mais c'est question de petite semaine. Donc dans le dev, on sait ce que ça veut dire petite semaine, quoi. Oui. C'est des gros mois en fait. Je suis désolée, j'ai un problème félin à côté là, Ah, c'est pas grave, t'inquiète, moi j'ai un problème de bébé qui se fait engueuler en bas. mais... Ok. Et Cédric nous dit le mieux est de programmer la diffusion des pages, donc d'étaler dans le temps. Oui, c'est bien. Ouais, je pense que c'est plus secure. Ouais, de C'est toute plus façon, secure. autant. Enfin, moins on prend de risques et mieux c'est. Hein, après tout, ça change pas grand-chose. On limite les risques. Donc, je pense que c'est une bonne chose, ouais, de procéder comme ça. Ouais. Et nous... Cédric qui nous dit la dernière fois que j'ai dit d'ici quelques semaines, c'était en 2015. Non mais voilà, non mais moi c'est pareil, je me lance même plus dans donner des dates. C'est en fait ou alors tu dis j'espère dans. Ouais, c'est hypothétique, ça passe encore. C'est ça. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Oriane. Écoute, je vais conclure. Tu restes avec nous. Bah oui, je suis là, je ne bouge pas. Donc, tous les mardis 15h, si, pour les nouveaux, hein, si ça vous a plu, pour ceux qui sont habitués, vous savez que c'est tous les mardis à 15h ou en replay. Depuis YouTube, vous pouvez cliquer sur un petit pouce bleu. Ce sera très gentil. Je vous remercie bien si vous le faites. Que ce soit en replay ou que ce soit en live, si vous ne l'avez pas fait, mes chers amis.
Et donc voilà, c'est tous les mardis. Je pense quand même changer le format après les vacances d'été, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même très astreignant et que pour l'instant je touche de la peau de singe, mais je suis encore pas tombé malade. Et je vous ai pas fait le coup de ah, je peux pas le faire. En toute façon, à mon avis, je vous le ferai malade. Mais non, c'est juste que s'il y a des imprévus, tout ça, pour l'instant, j'en ai pas eu, mais c'est assez compliqué à gérer. Donc, on verra si on conserve ce type de format. Si vous souhaitez du coaching SEO, je suis toujours là, 120€ hors taxes de l'heure. Si vous avez besoin d'aide sur un projet sur lequel vous êtes un peu perdu, un peu coincé, ou vous vous posez des questions, n'hésitez pas. Déjà en une heure, hein, franchement, on dégrossit largement. J'ai déjà eu plusieurs demandes. On a eu des gros retours d'XP très rapidement. Enfin voilà, c'est ah bah je comprends pas le site il rank pas. Et tout de suite en quelques minutes déjà c'est ah t'as regardé ça ah non je, bah oui bah regarde ça. Voilà, c'est y a pas besoin de faire 10 heures. Hein. Et si vous êtes coincé sur un projet, pensez à moi. Le 15 avril, il reste 3 places pour la session structure SEO avancée. Eh bien, écoutez, contactez-moi. Il faut boucler. Je vais lancer de la com un peu plus forte. Si vous voulez être présent le 15 avril, le jeudi 15 avril, bougez-vous parce que après, je vais tout faire pour boucler. Si vous voulez faire du live audit ou si vous avez des problématiques particulières en SEO, n'hésitez pas à utiliser Discord déjà. Et puis, pour un live audit, vous pouvez très bien me proposer un site à live auditer. On en a déjà fait un avec piver.fr, ça s'était très bien passé, c'est riche en expérience. Je ferai peut-être aussi des sessions où je vais faire prendre au hasard un site et puis le live auditer. Mardi prochain, on aura RDDZ Géric qui viendra, qui était dans le chat d'ailleurs tout à l'heure, qui est peut-être encore connecté, je ne sais pas, qui viendra nous rendre visite et qui va nous parler de choses plutôt très techniques. Je crois, si ça n'a pas changé, qu'il voulait parler de serveurs headless. Voilà. Je vous rappelle que le mercredi 14, donc le lendemain, on va faire un stream exceptionnel. Ça y est, Yeka, t'as trouvé ? Non, parce que c'est pas faux, je crois que c'est pas faux tout court. Non, peut-être pas. Ah, je sais pas, il t'a auto-blacklisté, Yeka. Donc, table ronde OVH, venez nombreux. Le sujet est très important. Je pense que c'est très important d'en discuter. L'idée, c'est d'être constructif, comme d'habitude. Ça va pas être de cracher tout le venin à la tronche d'OVH. Clairement, ce qui leur est arrivé, ça n'arrive pas. Hein. C'est juste les mecs, ils ont un karma d'enfer, quoi. Donc voilà. Hein. On aura le mardi 20 avril Fabien Barry, le responsable de Monitorant, qui viendra nous parler de l'intérêt de suivre des positions, de tout ce que c'est comme travail que de suivre des positions pour des milliers et des milliers et des milliers de mots-clés, etc. Donc ça va être très intéressant. Et écoutez, je vous souhaite clairement une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À ciao, ciao. Bye, merci pour tout. Merci à toi, Auriane. Ah non, Yeka. Ça va pas du tout, ça. Hein. Ha ha ha.